par la scie. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous avec Hubert Reeves, qui vient nous voir à peu près tous les deux ans. Alors, je sais qu'il y a malheureusement des gens qui n'auront pas eu de place ce soir. Il faudra pousser les murs, monsieur le directeur des Champs Libres, qui est quelque part par là. Il va falloir agrandir la salle. Qu'est-ce que vous voulez? Quand Hubert Reeves vient, il n'y a jamais assez de place. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Je voulais aussi vous dire que cette conférence est retransmise en direct sur le site de l'Espace des Sciences. Vous tapez Espace des Sciences et vous tombez sur le site, il n'y a pas de problème. Et puis, elle sera retransmise aussi sur TVR 35 en différé à 22h. Et je pense qu'il y aura de multidiffusion, donc si vous avez envie d'une petite piqûre de rappel, ce sera possible. Ce que je voulais vous annoncer aussi dans notre actualité de l'Espace des Sciences, c'était vous dire qu'il y a une animation spéciale que je dois vous annoncer pour le mercredi 22 janvier, c'est-à-dire demain, qui aura lieu au laboratoire de Merlin de 14h à 18h. Alors exceptionnellement, l'animateur qui vous présente des manipulations et des choses comme ça au laboratoire de Merlin, eh bien, l'animateur de l'Espace des Sciences fera son animation avec des membres de la frégate anti-sous-marine, la Motte Piquet. C'est une frégate qui est parrainée par la ville de Rennes depuis 1988. Alors, ils aborderont ensemble le thème de l'air à hier, en s'appuyant sur l'expérience de la vie à bord du bateau. Prenons l'air avec la frégate, c'est demain de 14h à 16h, c'est gratuit, et vous pouvez réserver au 02 23 40 66 00. Voilà, j'ai fait ma petite annonce pour mes amis du Labo de Merlin. Je vais la faire maintenant pour Nicolas Guillas, qui anime les Cafés des Sciences. Alors, il y en a un jeudi, un Café des Sciences au Champ Libre, c'est à 18h30, l'entrée est libre et gratuite. Et là, ça se passe un peu plus sous un dialogue avec des scientifiques. Et là, Nicolas a choisi de parler des tremblements de terre, parce qu'il y a eu quand même plusieurs tremblements de terre qui ont secoué les régions de Vannes et de Brest, sans faire de dégâts, bien sûr, hein, heureusement, entre le 10 octobre et le 12 décembre 2013. Alors, les sismologues ont recueilli 1200 témoignages dans toute la Bretagne. Que s'est-il passé et pourquoi? D'autres secousses sont-elles prévisibles? Eh bien, si vous avez envie d'en savoir plus, venez poser vos questions à deux spécialistes, le tectonicien Olivier Dauteuil, spécialiste de la déformation en Bretagne, et le géologue Philippe Sterre de l'Observatoire des sciences de l'univers de Rennes. Mais vous êtes tous là pour voir et entendre Hubert Reeves. Hubert, si tu veux bien me rejoindre, nous le faisons à la québécoise, à la demande d'Hubert, on se tutoie comme dans la vie. Je ne vais pas encore lui redire le bonheur que nous avons à l'avoir avec nous à chaque fois, c'est une vraie joie. Alors, pour vous parler d'Hubert Reeves, si je vous dis qu'Hubert Reeves est né à Montréal, qu'il est astrophysicien, qu'il enseigne la cosmologie à Montréal et à Paris, qu'il est aussi écologiste, membre de France Nature Environnement, de l'Institut québécois de la biodiversité, il est aussi président depuis 2001 de ce qui s'appelait auparavant la Ligue Rock pour la préservation de la faune sauvage, qui est devenue maintenant Humanité et Biodiversité en 2012. Je crois que tu en parleras à la fin de la conférence. Oui, absolument. Hein, on va revenir sur ces questions tout à l'heure. Et puis tu as quelques documents ceux qui seraient intéressés. Tout à fait. Voilà. Si je vous dis aussi qu'il est l'auteur de nombreux livres, la plupart publiés au Seuil, alors il y a de très beaux titres, hein, Patience dans l'azur, Poussière d'étoiles, Mal de terre, Chronique cosmique, et puis aussi L'univers expliqué à mes petits-enfants, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, vous allez les voir encore, si vous le souhaitez, tout à l'heure. La libraire qui est arrivée à 17h tout à l'heure, et Hubert a déjà signé le dernier livre dont on va parler dans un instant, mais elle en a apporté d'autres, hein, des plus anciens. Donc si vous avez envie tout à l'heure de vous faire dédicacer un livre, je crois qu'Hubert acceptera, s'il n'est pas trop fatigué, d'en faire encore un petit peu. Alors, si je vous dis aussi qu'il participe à des spectacles, à des films scientifiques, des spectacles en particulier avec son fils Benoît, qu'en plus d'être un grand scientifique, il est un merveilleux conteur. Vous allez me dire qu'il y a longtemps que vous savez tout cela.
et vous avez raison. Que puis-je vous dire alors pour peut-être vous surprendre ? Je ne sais pas, que l'astéroïde SL6 porte le nom d'Hubert Reeves par décision de l'Union astronomique internationale, je suis même sûre que vous le savez aussi, qu'Hubert est un grand mélomane, qu'il chante même dans une chorale, et qu'il affectionne également, ça vous ne le savez peut-être pas, les histoires drôles et les devinettes. Hier, pendant tout le repas, il nous a collé avec cette devinette. Impossible. On avait vraiment... Enfin, si, il y en a quelques-uns qui ont bien répondu. Voilà. Et puis, vous le savez aussi peut-être, parce que ça a été dit dans la presse, et puis on en est tellement fiers qu'on en parle partout, Hubert Reeves est le parrain du planétarium de l'espace des sciences de Rennes depuis le début. Et d'ailleurs, ses plus proches filleuls sont là, sur le premier rang, auprès du président de l'espace des sciences et du directeur de l'espace des sciences. Donc Hubert était déjà des nôtres hier, puisque nous avons inauguré le nouveau planétarium, un planétarium refait à neuf. Vous savez qu'il a été fermé pendant quelques mois pour tous ces travaux, et qui vous permettra, dès le mois d'avril, de voir des images en relief. Et c'est le premier planétarium en France à posséder cette technologie qui permet de faire des séances en temps réel. C'est le troisième planétarium en Europe qui existe avec cette technologie. Les autres, c'est Barcelone et Varsovie. Et je crois même qu'eux ne font pas de choses en temps réel. Alors voilà, on est fiers de ça. On est heureux que tu l'aies inauguré. Et évidemment, on a fait une démonstration à Hubert. Alors j'aimerais qu'il vous dise directement son ressenti. Vous imaginez qu'Hubert Reeves connaît les planétariums du monde entier, je pense. Hubert. Oui. Bonsoir. D'abord, je voudrais demander qu'on baisse les lumières. Je crois qu'on avait convenu d'avoir un éclairage qui n'était pas cet éclairage super brillant. J'aime bien voir les yeux des gens encore un petit peu moins. Ils ont essayé de remonter la lumière, les tricheurs. Oui, alors j'étais vraiment très impressionné par ce planétarium. Je vous le conseille. Je peux dire que c'est le plus beau spectacle de planétarium que j'ai vu. Et j'en ai vu beaucoup. Non seulement parce qu'il a cette qualité de trois dimensions qui donne vraiment quelque chose d'impressionnant, mais aussi parce que ceux qui le font ont eu à cœur de garder une dimension poétique au spectacle. Et ça, c'est important et ce n'est pas toujours le cas. Je connais beaucoup de spectacles scientifiques où, au contraire, on exagère sur les nombres, on vous en met plein la vue, on vous énerve en vous disant « formidable », etc., « fantastique », « fantastique », comme on dit aux États-Unis. Non, celui-là, il a ce calme, cette paix, cette sérénité qui vous met dans une bonne ambiance pour essayer de comprendre quelque chose, d'apprécier quelque chose, et puis de goûter aussi la beauté des images qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, félicitations à ceux qui ont organisé ce spectacle, et puis je vous invite tous à le voir, il est vraiment bien. Et particulièrement, bravo à Bruno Mauguin et à Priscilla Abraham, qui sont les deux responsables du planétarium. Et Priscilla, arrête de pleurer à chaque fois qu'Hubert te fait des compliments. Hein. Voilà, je crois que c'était vraiment un beau moment et vous aurez plaisir à découvrir effectivement ce planétarium où on peut presque toucher, attraper les étoiles avec ses mains. Ça, ce sera donc seulement à partir du mois d'avril parce que c'est très, très compliqué à mettre au point. C'est un énorme travail qu'ils ont fait là. Alors ce soir, Hubert, tu as donné le même titre à cette conférence que le titre de ton dernier livre qui est paru en septembre, je crois, 2013. Septembre, hein, oui. Et qui s'intitule très joliment « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve » et qui est en fait une phrase d'un poète. Poète allemand qui s'appelle Hölderlin, poète du début du 19e siècle. Et j'ai trouvé que le titre était bien parce qu'à la fois, il faut être réaliste, il faut voir où en sont les choses. Et les choses ne vont pas bien, il faut bien le dire. Donc là où croit le péril, il y a le péril qui est en croissance. Mais il y a aussi des choses qui se passent et qui veulent contrecarrer ce péril. Là aussi croient ceux qui sauvent, et c'est important de le dire, de le faire savoir. Nous ne sommes pas dans une lutte perdue, nous sommes dans une véritable lutte, dans un véritable conflit, mais il y a des choses intéressantes qui se passent et qui commencent, ce n'est pas récent. On a souvent l'impression que les problèmes écologiques, environnementaux, c'est récent. Non,
le début de la lutte sérieuse contre cette tendance des êtres humains à détériorer leur planète, qui est réelle, ça date de 1875-1880. Je vais en parler plus en détail. Et ça croît progressivement. Et maintenant, ça prend une grande ampleur qui permet de dire, là aussi, croit ce qui sauve. Ce que ça donnera, personne ne sait. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans ou dans 50 ans. Ça pourrait être bien mieux, ça pourrait être bien pire. Tout dépend de décisions qui se prennent maintenant. Ça, il faut le savoir. Nous sommes en milieu d'un conflit, d'une confrontation entre deux tendances opposées. La détérioration qui se poursuit rapidement dans les forêts, le réchauffement climatique, vous avez tous entendu parler de ça, l'érosion de la biodiversité, tout cela. Mais en même temps, un peu partout, les mouvements se lèvent et essaient de vaincre et s'opposent, et quelquefois avec victorieusement, à ces tendances. Donc il faut bien se mettre qu'on est dans l'esprit de quelque chose d'assez critique qui se passe en ce moment et qui vaut la peine qu'on s'y mette soi-même. Mm. Et je vais justement parler tout à l'heure de ce qu'on appelle, ce qu'avec notre Ligue, nous proposons comme geste concret, ce que nous appelons des oasis nature. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, on va écouter la conférence d'Hubert Reeves. Après, il y aura peut-être quelques questions. Moi, j'ai lu le livre, j'aurais peut-être quelques questions à lui poser sur le livre, mais vous le savez, je vous donne toujours la priorité pour les questions, parce que je pense que c'est le plus important. Donc, nous allons retrouver Hubert tout à l'heure pour cela. Auparavant, je voudrais quand même remercier toutes les équipes, l'équipe de l'Espace des sciences, bien sûr, mais aussi les équipes des Champs libres qui nous ont beaucoup aidés pour organiser cette conférence. C'est pas simple quand il y a énormément de demandes. Donc merci à Tatiana, à toute son équipe, à l'équipe du CREA qui est en régie et qui enregistre cette émission et qui nous permet qu'elle soit diffusée en même temps sur le site de l'Espace des sciences. Puis ensuite, vous pourrez bien sûr la revoir comme la plupart de nos conférences que vous trouvez dans nos archives. Voilà, et je voudrais remercier toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette soirée. Et puis je voudrais saluer dans la salle la présence d'Evelyne, la fille d'Hubert, qui est avec nous ce soir avec son compagnon. Et je suis sûre qu'Hubert, ça lui fait encore plus plaisir d'être là ce soir et de parler devant toi, Evelyne. Voilà. Très, très bonne soirée à tous et à tout à l'heure pour les questions. Alors, je voudrais parler d'abord de ce qu'il y a, pourquoi on met ensemble, pourquoi dans ma vie, j'ai mis ensemble astronomie, que je fais depuis de nombreuses années, et écologie. Quel rapport y a-t-il entre l'astronomie et l'écologie? Eh bien, il y a le rapport suivant. L'astronomie, les sciences en général, nous parlent d'une question qui nous touche tous. D'où venons-nous? Comment est-ce qu'on en est arrivé à être vivant, à être sur la Terre, à être ici aujourd'hui? Quel est le passé? Quelles sont les origines, les événements qui ont amené l'existence des animaux, de la vie, des êtres humains et tout cela? Ça, c'est l'astronomie, c'est les sciences en général, la biologie. La biologie, l'astronomie nous disent le passé. Comment on en est venu à être ici? Il y a des choses intéressantes qui nous ont été apportées tout au long des siècles derniers. Nous connaissons de plus en plus la réponse à ces questions. Nous sommes loin d'avoir toutes les réponses, bien sûr, mais nous connaissons beaucoup de choses sur ces questions. L'écologie, c'est quoi? L'écologie, c'est dire, d'accord, vous êtes arrivé ici, nous sommes arrivés là, comment y rester d'une façon acceptable? C'est ce que nous sommes aujourd'hui est sérieusement menacé par un ensemble d'événements qui sont reliés à la nature humaine, qui sont reliés aux humains, qui menacent sérieusement notre avenir. Quoi faire? Comment essayer de rester ici dans des bonnes conditions? Donc, l'astronomie, c'est le passé. Comment on en est arrivé à être ici? L'écologie, c'est le futur. Comment y rester dans des bonnes conditions? Donc, en résumé, c'est pourquoi je me suis intéressé longtemps à l'astronomie et puis progressivement, j'ai pris conscience, justement, comme vous tous, dans ces dernières années, du fait que la situation se détériore,
Quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à enseigner, on ne parlait pas d'écologie, ce n'était pas un mot qui était connu, environnement, ce n'était pas connu. On était positif, on voyait l'avenir avec une certaine confiance, on ne sentait pas cette menace qui pèse sur nous. Progressivement, j'ai senti cela, et puis j'ai commencé à avoir des enfants et des petits-enfants. D'ailleurs, je salue Elsa qui est ici avec sa maman. Et je me suis dit, il faut essayer que l'avenir soit aussi beau pour nos enfants et nos petits-enfants qu'il l'a été pour nous. C'est ça, un peu l'objectif. Alors, cette conférence, je vais la commencer en vous parlant de certains événements par lesquels des découvertes scientifiques faites avec des instruments scientifiques ordinaires ont apporté des résultats dont l'importance dépasse énormément le cadre, le contexte purement scientifique et touche à toute la pensée humaine, qui influence toute la pensée humaine, la philosophie et bien au-delà. Eh bien, il y a l'exemple typique, c'est passé il y a 400 ans, quand Galilée a, pour la première fois, avec un petit télescope que bien inférieur à ceux des amateurs d'aujourd'hui, a pu montrer que la Terre n'est pas le centre du monde. Vous voyez jusqu'à quel point cette idée qui est apparue comme cela, grâce à ses observations, a révolutionné toute la pensée humaine, toute la philosophie humaine. Alors, je vais vous montrer, avant Galilée, jusqu'à récemment, on admettait, la plupart des gens un peu partout, admettaient que la Terre... Ah, attendez. Est-ce que je vais avoir besoin d'aide ? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui vienne me... C'est bon? Ah, oui. Parce que là, j'arrive pas à... Oui, je veux... Eh bien, je vais dans affichage, qui est là. Je vais dans mode présent. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'idée qui était admise par la majorité des gens, c'était la Terre est le centre du monde. On a vécu pendant des millénaires avec cette idée. Et puis arrive M. Galileo Galilei. Il y a à peu près 400 ans, ça fait à peu près 400 ans, vers janvier 1610, qu'il a regardé un des premiers vers le ciel avec, vous voyez ce qu'il a comme télescope, une petite jumelle de rien du tout. Aujourd'hui, c'est rien comparé avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde tout ce qu'il a regardé, et en particulier, il regarde Jupiter. Et à sa surprise, il s'aperçoit que Jupiter, la planète, est entourée de 4 satellites, que vous voyez là, avec leur nom. Ces 4 satellites, il s'aperçoit que chaque nuit, la position change. Un jour, il y en a 3 d'un côté, un seul de l'autre côté, le suivant, c'est 2-2, continuellement. Et il a cette idée que ces satellites tournent autour de Jupiter et il comprend que ça ressemble au système solaire, que ça ressemble à ce que le Soleil entouré de ses planètes. Et là, il arrive à l'idée que la Terre est une planète. La Terre est une planète, la Terre est dans le système solaire, et tout d'un coup, ça donne une dimension gigantesque à l'univers qu'on croyait tout petit, on croyait qu'on pouvait presque le toucher avec un bâton. Il découvre que la Terre n'est pas le centre du monde. Voilà le premier exemple d'une découverte scientifique qui influence toute la pensée humaine et qui permet de décrire ensuite tout autre chose. Le même événement se reproduit au début du XXe siècle. Cette fois, ce n'est pas par rapport à la Terre, c'est par rapport
à l'univers. On découvre, et là, celui qui nous a donné cette, apporté cette pensée, c'est un astronome américain qui s'appelle Hubble. Avant lui, qu'est-ce qu'on pensait de l'univers? Eh bien, il y avait une vision générale qui disait l'univers est éternel. L'univers a toujours existé, l'univers existera toujours et rien ne change. Ce qu'on appelait un univers statique, c'était quelque chose qui existait de toute éternité. Ça a été formulé très bien par Aristote. Aristote, 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant aujourd'hui, 300 avant Jésus-Christ, écrivait « L'univers a toujours existé et il existera toujours ». Ça a été la pensée dominante pendant toute cette période, jusqu'à ce qu'arrive au début du XXe siècle, un astrophysicien qui s'appelle Edwin Hubble. C'est lui qui a donné son nom au satellite qui passe au-dessus de nos têtes à tous les 45 minutes et qui nous donne de si belles images. Hubble, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui aussi, il a un télescope, sauf que les télescopes se sont passablement améliorés depuis ce temps. Vous voyez l'instrument sur lequel il travaille, on le voit là en train de regarder. Il regarde autour de lui, il découvre que dans l'univers, il y a des galaxies. Voilà un exemple de galaxies telles que nous en voyons. Il peut les étudier et il découvre, et c'est ça qui va être la chose la plus stupéfiante et que lui-même n'y croira pas, il va penser qu'il s'est trompé et ses étudiants vont lui dire « Non, tu ne t'es pas trompé, c'est tout à fait correct. » Il s'aperçoit que toutes ces galaxies qui sont autour de nous sont en mouvement. Les galaxies, on peut mesurer leur mouvement, savoir si elles s'éloignent ou si elles se rapprochent avec quelque chose qui ressemble à un radar. C'est un peu ce qui se passe quand vous êtes sur l'autoroute et que vous faites coller un PV parce que vous allez trop vite. On fait la même chose avec les galaxies. Alors, à quoi il s'attend, Hubble? Eh bien, il s'attend à trouver qu'il y a des galaxies qui s'approchent, des galaxies qui s'éloignent. Ce n'est pas du tout ça qu'il trouve. Ce qu'il trouve, c'est que les galaxies sont mus par une espèce de mouvement organisé que je vais essayer de décrire avec ce petit schéma. Voilà monsieur, l'œil de Hubble qui est ici au centre. Chaque petit point est une galaxie. Chaque galaxie s'éloigne de nous et s'éloigne d'autant plus vite qu'elle est plus loin. Petite flèche, petite vitesse. Grande flèche, grande vitesse. Et il découvre ce phénomène extraordinaire que l'univers a un mouvement global, un mouvement organisé. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça, et juste ça. Ça veut dire que toutes les galaxies s'éloignent de nous, et d'une façon très organisée, celles qui sont plus proches s'éloignent lentement, et celles qui sont plus loin s'éloignent plus vite. N'en concluez pas pour autant que nous sommes le centre du monde. Toutes les galaxies verraient exactement la même chose. C'est un phénomène général, c'est l'univers est en expansion. Et s'il est en expansion, il est en changement, évidemment. Parce que ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus rapprochées et qu'à l'avenir, ils sont plus loin. Et on arrive à ceci, il y a une histoire de l'univers. C'est ça, la grande découverte. Quand rien ne change, il n'y a pas d'histoire. C'est toujours pareil, il n'y a pas d'histoire. Mais quand les choses changent, tout d'un coup, il y a la notion du passé. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ils étaient plus rapprochés. Il y a la notion du futur. Qu'est-ce qu'il y aura après? Et la tâche des scientifiques qui regardaient ces galaxies jusque-là, qui n'avaient pas découvert ces mouvements, puisque l'univers a une histoire, ça va être de devenir des historiens. Quel est le métier des gens qui racontent le passé? Ce sont les historiens. Donc la tâche des astrophysiciens, ça va être de reconstituer l'histoire du cosmos. Et c'est là qu'arrive cette notion très importante. L'univers est en changement, il a une histoire, et cette histoire, comme vous allez le voir, nous touche personnellement tous. Nous sommes impliqués, imbriqués dans une très grande histoire dans laquelle nos vies individuelles sont de courts chapitres. Nous faisons partie de cette histoire qui dure aujourd'hui. On connaît assez bien l'âge de l'univers, depuis combien de temps cet univers est-il
observable, existe-t-il? L'âge, c'est environ 14 milliards d'années. C'est plutôt 13,8, on commence à être un peu plus précis, 13,8 milliards d'années. Alors évidemment, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Bien sûr, c'est une question naturelle. Eh bien, on n'en sait rien. Ça fait partie des grands mystères de l'univers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Pourquoi on n'en sait rien? Parce qu'on n'a rien qui nous permette de le savoir. Si on n'a pas d'observation, on n'a aucun document astronomique, photo, mesure d'abondance d'éléments qui nous permettent de dire ce qu'il y a, ce qu'il y avait il y a 3, avant 14 milliards d'années. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Ça veut dire que nous n'en savons rien. Il ne faut pas confondre. C'est ce qu'on appelle un horizon. C'est comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, vous n'en voyez pas au-delà de l'horizon, vous n'en concluez pas que l'océan s'arrête là où vous regardez à la limite. Non, vous dites, je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de savoir ce qu'il y avait avant. Alors, on va raconter une histoire, c'est l'histoire de l'univers, c'est celle dans laquelle les physiciens, les astrophysiciens sont maintenant impliqués depuis plusieurs décennies. Et c'est un peu en résumé ce que je vais essayer de vous raconter et le rapport que cela a avec nous, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'écologie. Alors, eh bien, comment est-ce qu'on peut reconstituer l'histoire de l'univers? Bien, on a deux instruments, deux domaines d'observation qui nous aident beaucoup. Il y a bien sûr l'astronomie. On observe l'univers avec des télescopes de plus en plus grands, on voit de mieux en mieux, on a des appareils qui seraient capables de regarder une pièce de monnaie déposée sur la Lune, par exemple, pour vous montrer la précision des instruments qu'on a aujourd'hui. Ça nous permet de voir comment l'univers est aujourd'hui. Mais on a un autre domaine qui est intéressant, c'est la physique. La physique nous apprend comment la matière se comporte et nous l'étudions aujourd'hui dans des grands accélérateurs. Voilà, le prototype des grands accélérateurs, il est à Genève, au CERN. C'est un accélérateur qui a 27 km de circonférence dans lequel on envoie des particules à la vitesse de la lumière. On les fait collisionner. Voici un exemple des instruments de mesure de ces collisions. Si vous voulez avoir une idée des dimensions, vous le voyez par les petits personnages que vous voyez en bas. Le personnage que vous voyez là, ça vous donne une idée de la dimension de cette mesure. Et c'est en combinant ce que l'astronomie nous présente sur l'univers aujourd'hui avec ce que nous présente cet accélérateur sur les lois, sur le comportement de la matière qui nous est connu par ces accélérateurs, qu'on peut reconstituer l'histoire de l'univers. Alors, l'histoire de l'univers, elle a été en grande partie énoncée par deux personnages importants. L'un d'entre eux, c'est Einstein, la théorie de la relativité, qui a été énoncée vers 1915-1919. C'est la théorie fondement de notre histoire de l'univers. Et c'est le maître, un chanoine belge, qui a mis ensemble les observations de Hubble sur l'univers avec les théories d'Einstein pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la théorie du Big Bang? La théorie du Big Bang, ben, elle commence par dire, parce que Hubble a découvert, que l'univers est en expansion. Quand on met ensemble la théorie du Big Bang et la relativité générale, on apprend que si l'univers est en expansion, il est en refroidissement. Une matière qui est en expansion se refroidit. C'est ce qui se passe dans les cylindres des voitures, par exemple. Quand vous avez un gaz qui se détend, il se refroidit. Quand il se réchauffe, quand on le comprime, il se réchauffe. La même chose est valable pour l'univers. Donc, l'univers est en expansion. Il est en refroidissement. Là, je ne parle pas du réchauffement climatique sur la Terre. Hein, c'est simplement le réchauffement local. Je parle de l'ensemble de l'univers. L'univers est dans un état de refroidissement. Et une loi de la physique nous dit que plus la matière est chaude, plus elle brille, plus elle émet de la lumière. Inversement, plus elle se refroidit, plus elle s'obscurcit. Donc, trois éléments fondamentaux de la théorie du Big Bang, c'est l'univers est en expansion. Einstein nous ajoute il se refroidit et la physique nous ajoute il s'obscurcit. Voilà, en résumé,
trois grandes lignes de l'histoire de l'univers telles que racontées par le Big Bang. Alors, je vous dis tout de suite, le Big Bang, ce n'est pas la vérité. Le Big Bang, nous ne sommes pas dans un domaine de révélation, de dogme, en disant c'est oui, c'est non. C'est le Big Bang, c'est seulement le scénario le plus crédible aujourd'hui sur le passé de l'univers. Il y a eu plusieurs scénarios qui ont été formulés par différents auteurs. Celui qui l'emporte est de beaucoup. Pourquoi il l'emporte? Parce qu'il colle avec les observations, il colle avec les théories, il est absolument magnifique. Il a des problèmes sérieux qu'on n'a pas encore résolus. Mais c'est un scénario qui n'a jamais été pris en défaut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 21 janvier 2014, le meilleur scénario du passé de l'univers, c'est celui-là. Demain, peut-être, une autre observation pourrait le mettre en défi, en problème, il faudrait recommencer. La science n'est jamais dans la vérité, elle est dans une vérité, dans une crédibilité. Si vous demandez, vous savez, c'est comme la revue « Que choisir ?». Quand vous voulez acheter un frigo, vous allez voir dans « Que choisir ?» et vous voyez tous les modèles de frigo qui se vendent. Alors, on vous les décrit, puis à la fin, on vous dit, bien, quel est le meilleur choix ? Bien, on vous dit, votre meilleur choix, c'est tel. Mais là, c'est pareil. Vous avez tous ces différents scénarios qui ont été présentés. Il y en a un qui l'emporte de beaucoup. Tous les astrophysiciens que je connais sont d'accord pour penser que c'est le plus crédible. Il va certainement évoluer, il va certainement, on essaiera de résoudre les incohérences qu'il a, parce qu'il en a, mais ça reste ce qu'il y a de plus crédible à un esprit critique qui ne se fait pas raconter n'importe quoi, qui demande des preuves avant d'accepter quelque chose qu'on lui dit, c'est celui qui est le plus crédible. Alors, c'est comme ça que ça continue, et les physiciens en général, entre les années 1920 et 1960, où les physiciens n'aimaient pas beaucoup la théorie du Big Bang. Ils n'aimaient pas parce que ça faisait un peu biblique. Vous n'allez pas nous casser les pieds avec vos histoires de Genèse et tout cela. Et il y a eu beaucoup de résistance de la part des physiciens. Mais grâce à un astrophysicien que j'ai eu comme professeur quand j'étais aux États-Unis, qui était un homme très drôle, qui racontait beaucoup d'histoires, comme elle a dit tout à l'heure, qui avait beaucoup de charades. C'est un monsieur qui s'appelait Georges Gamov. Georges Gamov, c'est une espèce de géant russe, avec une voix très grave à la russe. Et Gamov disait, eh bien, c'est vrai que c'est un peu étonnant, cette histoire de Big Bang, ça ressemble un peu étrange, mais ça n'a aucune importance. L'importance, c'est est-ce qu'on peut prouver sa valeur? Alors, il a fait le raisonnement suivant. Il a dit, d'accord, l'univers est en expansion. Dans le passé, dans le présent, les galaxies s'éloignent. Dans le passé, ça veut dire qu'ils étaient plus rapprochés. Dans le passé, ils étaient plus rapprochés. Et si on remonte suffisamment tôt dans le passé, on a dit qu'ils étaient de plus en plus chauds. Donc, s'ils étaient de plus en plus chauds, il devait y avoir beaucoup de lumière. Si on remonte assez tôt, on doit arriver à un moment donné où c'est une espèce de grand flash, c'est de là que vient le mot Big Bang, une espèce d'explosion, une espèce de flash où la densité d'énergie lumineuse est bien supérieure à la densité d'énergie matérielle. Et Gamov s'est dit, mais qu'est-ce qui est arrivé de cette lumière fantastique qui existait il y a quelques milliards d'années? Est-ce qu'elle a disparu complètement? Est-ce qu'elle est complètement hors d'observation? Il a fait des calculs et il a montré que non. Il devait en rester un vestige, une pâle lueur invisible à l'œil, mais visible avec des radars. Là, nous sommes à la période autour des années 1940 où on commence à avoir des radars, on peut faire de la radioastronomie, et Gamov fait cette prédiction. Il dit, si la théorie du Big Bang est crédible, alors il doit rester quelque part dans l'univers, réparti uniformément, parce qu'il s'agit de l'univers entier, un rayonnement avec des propriétés qu'il décrit précisément, qui doit être comme un fossile. Vous savez, c'est comme les préhistoriens, quand ils veulent vous raconter comment les êtres humains vivaient il y a un million d'années, bien, il leur faut des fossiles, il faut des pointes de flèches, des silex taillés, quelque chose qui peut accréditer leur dire. S'ils n'ont pas de fossiles, ils ne peuvent rien dire. Là, il s'agissait d'un fossile, mais d'un fossile cosmique. C'est Gamov énonce en 1948
qu'il devait rester dans le ciel un rayonnement qu'il décrit avec une grande précision. Eh bien, ce rayonnement est observé en 1965, exactement comme Gamow l'avait prédit. Ça, c'est une des grandes découvertes de la science. Le rayonnement, on l'appelle le rayonnement fossile, c'est la plus vieille image du monde. C'est une image qui nous vient en direct pratiquement du début de l'univers. Je vais vous la montrer, ça vaut la peine. C'est un document important parce que c'est ça qui était un point tournant. À cette période, les physiciens ont dit une théorie qui peut prédire avec une telle précision quelque chose qu'on observe après coup tel qu'il a été prévu à quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. On ne peut pas dire « c'est la vérité, c'est terminé ». Non, mais il faut la prendre au sérieux, ça devient crédible. Et c'est là qu'en... Donc, Gamow fait cette prédiction en 1948. Les gens ne prennent pas au sérieux parce qu'ils ne prennent pas beaucoup au sérieux la théorie du Big Bang. Ce rayonnement est découvert en 1965 par deux astronomes, Penzias et Wilson, qui ne cherchent pas du tout cela. C'est des gens qui, c'est au moment où on commence à lancer des satellites dans l'espace, on lance des satellites et puis on les perd. On perd la communication avec les satellites et on demande à ces gens, je travaillais à ce moment-là, moi, à la NASA, à New York, je me souviens, on avait demandé à ces gens quelle est la meilleure longueur d'onde pour se retrouver, reprendre contact avec les satellites. Alors, ils font quelques calculs, ils disent, voilà, c'est telle longueur d'onde, c'est des ondes millimétriques, c'est celle qu'on emploie pour le radar, c'est celle qu'on emploie pour les fours à micro-ondes aussi. Et donc, ces deux personnes découvrent exactement ce que Gamow avait prévu. Et du coup, ce coup de tonnerre dans le monde scientifique, tout le monde dit, en cette théorie, on doit la prendre au sérieux. Elle a quelque chose, arriver comme ça, à prévoir avec une telle précision, quelque chose qu'on n'a jamais observé auparavant, comme conséquence d'une théorie, ça veut dire que cette théorie, elle a quelque chose. Alors, je vais vous montrer cette image. C'est une image que je vais vous montrer en fausse couleur, parce qu'avec les radars, il n'y a pas de couleur, donc on a mis un code de couleur. Je ne pourrais pas vous expliquer tout ce qu'on peut en tirer. Je dirais que c'est le document le plus important aujourd'hui pour décrire, pour savoir le passé de l'univers, les tout premiers temps de l'univers. On s'approche très près du Big Bang avec cette image. Et c'est en l'exploitant, on continue à l'exploiter, on envoie des satellites pour l'observer avec une résolution de plus en plus grande. Récemment, il y a un satellite qui s'appelait Planck qui vient justement de l'observer à nouveau et qui a confirmé que c'est absolument crédible. Alors là, voici. Donc, c'est des fausses couleurs. Ce qui est important, c'est la gradation des contrastes. Voilà. Voilà ce qu'aurait vu une personne qui aurait vécu à cette période et qui aurait regardé le ciel. Il aurait vu cette espèce de dégradé que vous voyez là. Et ce que vous voyez là, ce sont les germes de galaxies. C'est les germes de ce qui va continuer plus tard à se développer et devenir des galaxies. Donc, c'est un document fantastique, qui s'appelle le rayonnement fossile, et qui nous apprend quoi? Mais voilà, on va tirer maintenant nos informations de ce document. Il va nous apprendre une chose très importante, c'est que l'univers le plus ancien est sans structure. Il est informe. On va voir ce qu'il y a pas dans l'univers. L'univers le plus ancien est sans structure. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans l'univers? Eh bien, il n'y a pas de galaxies, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de planètes, il n'y a pas de molécules, il n'y a pas d'atomes. Toutes ces structures qui font que notre univers est si riche avec des structures à toutes les dimensions, les plus grandes dimensions comme les galaxies, les plus petites comme les molécules et les atomes, rien de cela n'existe à cette période. Qu'est-ce qui existe dans cet univers à cette période-là? Il existe ce qu'on appelle des particules élémentaires. Les particules élémentaires, nous les connaissons. Il y a les électrons du courant électrique. Il y a les quarks qui font les protons et les neutrons. Il y a les photons de la lumière. L'univers de cette période, c'est une espèce de magma incandescent porté à des milliards de degrés, extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. D'où le nom de Big Bang. Et c'est de là que va se développer le quatrième aspect de l'histoire de l'univers. Je vous ai dit les trois premiers, c'est que l'univers est en expansion, il est en refroidissement, il est en train de s'obscurcir. Il est aussi en train de se structurer. C'est ça l'important.
c'est l'histoire de la matière, c'est l'histoire de la structuration, comment on est passé de ce magma incandescent à la riche structure qui existe aujourd'hui, et en particulier pour nous qui regardent, chacun qui nous regarde personnellement, notre existence, l'existence du cerveau humain, l'existence de la vie, l'existence de toutes ces structures qui font notre univers. Alors, en plus des particules élémentaires, ces particules élémentaires interagissent, il y a quatre forces importantes qui s'exercent sur elles. Il y a la gravité. Vous savez, la gravité, c'est la plus facile à y visualiser. Vous laissez tomber un objet, il tombe. Le renard et le corbeau, rappelez-vous du renard et le corbeau. Le renard connaît la gravité puisqu'il sait comment s'emparer du fromage du renard. La force électromagnétique, eh bien, si vous voulez la tester, vous mettez les doigts dans une prise de courant. Ça marche à tout coup. Et puis, il y a deux forces nucléaires. La force forte, qui est celle qui régit les réacteurs nucléaires, les bombes atomiques, et la faible, qui réagit surtout les étoiles, qui gouvernent le temps de vie du Soleil. Si le Soleil a une vie longue, c'est parce que la force nucléaire faible est vraiment faible. Alors, ces quatre forces ensemble, les forces qui vont agir entre ces particules élémentaires, vont faire ce qu'on appelle l'histoire de la matière qui s'organise. C'est ça, l'histoire du cosmos. Alors, c'est là maintenant que je vais brancher sur les sujets. Je vais vous raconter ce qu'on peut appeler la belle histoire. La belle histoire, c'est une histoire qui débute il y a 13,7 milliards d'années et qui structure l'univers et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. La belle histoire, c'est comment les étoiles, les galaxies, des collisions de galaxies, des collisions de météorites ont amené progressivement l'univers à s'organiser et ont amené la vie à apparaître sur la Terre et comment chacun de nous, nous devons avoir la gratitude pour cette belle histoire, nous sommes un des résultats, chacun d'entre nous, le fait que nous soyons là, nous sommes un résultat de cette belle histoire. Parce qu'il faut bien le dire, l'être humain est une merveille sans nom. Moi, j'aime pas les gens qui disent les êtres humains, ce n'est que ça. Les êtres humains ont beaucoup de défauts, nous sommes bien d'accord. Mais ils sont fondamentalement peut-être la structure la plus riche, la plus évoluée qui existe aujourd'hui. Et c'est bien là le problème, souvent. Alors, nous sommes des poussières d'étoiles. Voilà une autre chose que l'astronomie nous a appris. Nous sommes faits d'atomes, de carbone, d'azote, d'oxygène. Ces atomes n'existaient pas dans le Big Bang. Ces atomes ont été formés par les étoiles, à l'intérieur des étoiles, où il fait très chaud, où il y a des réactions thermonucléaires, et ces réactions ont progressivement construit tous les atomes qui existent, toute la table de Mendeleïev, si vous vous souvenez de vos leçons de chimie, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium et au thorium. Et un événement très important, un type d'événement très important, c'est ceci. Là, vous voyez deux galaxies qui sont en collision. Alors, vous voyez, c'est les deux noyaux au centre sont des collisions, deux galaxies qui entrent en collision. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a longtemps, qu'on a découvert assez récemment. Il y en a beaucoup dans l'univers. Qu'est-ce qui se passe quand deux galaxies entrent en collision ? Eh bien, des galaxies, ce n'est pas des boules de billard, ça ne fait pas toc comme les boules de billard. C'est comme des nuages qui s'interpénètrent lentement. Et ça peut prendre des milliards d'années avant de s'interpénétrer. Tout est lent dans l'univers. Les échelles de temps ne sont pas nos échelles familières. Et vous voyez autour de chacun des cercles blancs, des deux noyaux, toute une série d'étoiles. Ce sont des étoiles géantes bleues. Les géantes bleues, ce sont des étoiles que nous connaissons bien. Si vous connaissez le ciel nocturne, par exemple, les trois rois mages dans Orion, ce sont trois géantes bleues. Ce sont des étoiles qui ont comme particularité de fabriquer l'oxygène. Ce sont les grandes productrices d'oxygène dans le cosmos. Se rappelant que le corps humain est à 90% de l'oxygène, vous voyez d'où nous venons. Loin dans le passé, quand on recule vers nos origines, notre généalogie, on arrive à quoi? Le moment où des collisions comme cela
crée l'oxygène qui va ensuite se répandre dans l'univers et qui va donner naissance, après de longues péripéties, au système solaire, à la Terre, à l'apparition de la vie. Mais on peut remonter jusque-là, c'est-à-dire 8, 9 milliards d'années dans le passé, pour trouver quelque chose qui est dans notre arbre généalogique. Alors, ces deux mêmes galaxies, on peut les regarder en d'autres longueurs d'onde. On les retrouve ici. Vous voyez qu'il y a une très grande activité. C'est l'activité qui fabrique les étoiles et ces étoiles qui vont former les atomes. Alors, on va s'intéresser aux étoiles puisque ce sont, dans un sens, nos grands-mères. Et on va regarder quelques belles images de la naissance des étoiles. Comment naissent les étoiles? Et voilà un exemple. Vous voyez cette espèce de grand pilier, c'est un nuage, une nébuleuse de gaz et de poussière, de fine poussière. Et au sommet, vous voyez, ce sont des lieux où des étoiles sont en train de naître. Elles sont en train d'être éjectées de ce nuage où elles se sont formées par l'effondrement de ce nuage. Les étoiles se sont formées, les étoiles vont vivre leur vie. Elles vont fabriquer des atomes. Notre Soleil est en train justement de fabriquer de l'hélium. Il est à peu près à la moitié de sa vie. Et puis, plus tard, les étoiles vont mourir. Alors, voilà une étoile en train de mourir. L'étoile qui meurt, c'est le petit point blanc au centre de cette structure rouge. Comment meurent les étoiles? Ils meurent en se vidant de leur substance. Tout ce que vous voyez autour, c'est des gaz qui ont été éjectés par des vents profonds. Dans ces gaz, il y a toute la moisson d'atomes qui a été formée par l'étoile dans sa vie et qui vont s'ajouter aux autres atomes du milieu interstellaire et de là vont se former de nouvelles étoiles, de nouvelles explosions d'étoiles. Il y a des générations d'étoiles qui ont progressivement enrichi notre galaxie en atomes et ces atomes, nous les retrouvons un peu partout sur la Terre, dans notre propre corps. Alors, c'est là que va commencer à s'agiter les différentes forces de la nature. Voilà, par exemple, le noyau des atomes, composé de protons et de neutrons, c'est la force nucléaire qui l'organise. Et puis, autour, se mettent des électrons qui vont faire les atomes. Et un élément très important, c'est ceci. Voilà une molécule d'eau. Une molécule d'eau, vous l'avez appris à l'école, il y a un oxygène rouge, des hydrogènes gris. L'eau a des propriétés que n'ont pas l'oxygène et l'hydrogène pris séparément. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente. Une propriété émergente, c'est une, par exemple, l'eau est un solvant. Nous le connaissons, il y a bien d'autres propriétés de l'eau. Une propriété émergente, ça veut dire une propriété qui n'appartient pas à chacun des éléments individuels, mais qui appartient, qui apparaît, qui émerge à la jonction de ces éléments. Un peu analogue, on a l'analogue dans le vocabulaire. Si je dis, par exemple, B-L-E-U, tout de suite, dans votre tête, est née une image, la couleur bleue. Quand j'ai dit B, vous n'avez pas pensé à bleu. Il a fallu que je mette ensemble, dans cet ordre, ces lettres pour obtenir un mot et faire émerger une propriété, la propriété émergente bleue. Si je dis maintenant, si au lieu d'associer des lettres, j'associe des mots, je vais dire « le ciel est bleu ». Du coup, une autre image est venue, le sens de la phrase « le ciel est bleu ». Eh bien, ce truc, si on peut dire, c'est un des trucs favoris de la nature pour organiser la matière. Elle l'organise, en assemblant des choses analogues aux lettres pour faire des mots, les mots pour faire des phrases, les phrases pour faire des paragraphes, des chapitres, des livres, des collections, des bibliothèques entières. Elle associe des particules élémentaires et elle en fait sortir des propriétés émergentes. Voilà un autre exemple. Ça, c'est une molécule de sucre. C'est plus compliqué, mais c'est aussi un assemblage de carbone, d'azote, et de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. La propriété émergente, c'est que c'est sucré. Si vous y touchez, ça goûte le sucré. Voilà, vous voyez, cette propriété émergente est un des aspects les plus importants de la structuration que la nature aime, les jeux auxquels elle joue.
on arrive à des molécules beaucoup plus complexes, qui sont les molécules de l'ADN, qui sont les molécules du génome, qui stockent notre génome. C'est un peu le même jeu. La nature va jouer ce jeu à partir des éléments les plus simples pour faire de l'hydrogène, jusqu'à chacun de nous. Nous sommes également une association de particules élémentaires. Si vous voulez une idée du nombre de particules élémentaires, quarks et électrons qu'il y a dans votre corps, c'est 1 avec 29 zéros. 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 pour les initiés. Eh bien, ces 10 puissance 29 particules qui forment vous, que vous touchez, que vous douchez le matin, eh bien, il y a une propriété émergente, c'est vous, c'est votre esprit, c'est votre intelligence, c'est la conscience. La conscience est également une propriété émergente après une longue histoire dans l'univers, à commencer par la formation des molécules et puis ensuite l'apparition de la vie sur la Terre, des petites cellules qui apparaissent dans l'espace, et puis plus tard des organismes plus importants, et plus tard un événement le plus important, un des plus importants de notre existence. Alors, vous prenez votre date de naissance, vous soustrayez 9 mois, vous arrivez au moment de votre conception. La conception, c'est justement une rencontre entre quoi ? Entre un ovule, un spermatozoïde. C'est le moment où nous entrons dans l'existence. Ce qui est fantastique, c'est qu'avant ça, nous n'existons pas. La vie existe, les gens sont là, vos parents sont là, mais on est dans le néant. Et arrive un moment où il y a cette jonction toujours dans cet esprit de ces rencontres, mues par des forces, là c'est sur des forces sentimentales, ce n'est pas simplement les forces physiques, c'est un autre domaine de force et d'attraction qui vont faire que vous allez naître et qu'à partir de là, vous existez, votre chapitre d'existence continue. Et la propriété émergente, le résultat, c'est vous, votre conscience. Et c'est le début, en particulier, des œuvres des humains, des œuvres des humains comme la création, la peinture, le tableau, la musique, tout cela, ça fait partie de la même histoire. Vous voyez, il faut se remettre dans cette très longue histoire dont nous sommes un des chapitres et dont les grands créateurs ont fait des choses fantastiques. Ça, c'est la belle histoire. Maintenant, je vais commencer à vous raconter la moins belle histoire, parce qu'il faut bien voir les choses, il ne faut pas se cacher. La moins belle histoire, c'est quoi? Elle est beaucoup plus récente. Elle commence il y a à peu près 200 000 ans. En fait, elle commence un peu plus tôt, strictement parlant, elle commence il y a quelques millions d'années. Mais c'est très peu par rapport à l'âge de l'univers. On passe de quelques millions d'années à 13,7 milliards d'années. Vous savez, maintenant, avec les impôts et les déficits, les milliards, ça nous devient familier. On parle des milliards, c'est devenu quelque chose qu'on n'a pas besoin de... Ça entre dans le vocabulaire. Vous écoutez les discours politiques et vous en avez plein qui vous arrisent. Les milliards de ci, les milliards de déficits, les milliards de dettes, etc. Alors, cet événement qui se passe à cette période... Déjà, la vie existe sur la Terre depuis longtemps. Il y a plein d'espèces vivantes, il y a plein de végétaux. Mais pour une raison que personne ne connaît, personne ne comprend, mais c'est un fait, ça s'est passé, il y a une espèce animale qui acquiert une forme supérieure d'intelligence, bien au-delà de tout ce qu'ont ses collègues. Comment ça s'est passé? On essaie de le comprendre, la biologie, tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un animal, un chimpanzé, obtient une forme d'intelligence absolument fabuleuse qui va à la fois l'aider, parce qu'il faut dire qu'à cette période, nos premiers ancêtres vivaient, là, il y a quelques millions d'années, dans des conditions qui étaient très difficiles. Parce que la loi de la nature... c'est qu'il faut manger et ne pas être mangé. Et pour cela, il y a des animaux comme les tortues qui ont des carapaces, il y a des oiseaux qui volent, il y a des lions qui ont des grandes dents. Nous, nos ancêtres, ils sont mal adaptés, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre. Ils ont quoi pour se défendre? Eh bien, ils se demandent la question, ils se grattent la tête, et ce qui leur permet de se défendre, c'est que la nature leur a fait justement ce cadeau de l'intelligence.
Alors, ils vont faire quoi avec leur intelligence? Ben, d'abord, ils vont faire des pièges, ils vont faire des armes, ils vont arriver à vivre. On ne peut pas les blâmer s'ils ont fait des armes et s'ils ont réussi à vivre. Et imaginez que ça ne devait pas être très confortable de partager les cavernes avec l'ours des cavernes. C'était un peu ce qui se passait à cette période. Donc, on doit être reconnaissant à ces êtres humains d'avoir survécu. Certainement, en beaucoup de cas, des espèces humaines ont disparu justement parce qu'ils n'arrivaient pas à survivre. Et maintenant, on va envisager, on va mettre notre accent, notre attention sur le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais le résumer en vous faisant une histoire courte. C'est ce qu'on va appeler l'évolution des armes. Les humains apparaissent en Afrique, ils sont faibles, mal armés pour se défendre, mais ils ont l'intelligence. Et là, avec cette fameuse intelligence, ils vont faire des armes, pour commencer, assez simples comme ceci, des dards. Ils vont ensuite, voilà, ils ont ces dards. Ensuite, ils vont faire des frondes. Et ensuite, ils vont faire des arbalètes. Ensuite, ils vont faire des fusils. Et puis, ils vont faire des mitrailleuses. Ils vont faire des canons. Avec l'évolution de l'intelligence et de la technologie et tout ça, ils vont faire des canons de plus en plus puissants. Ils vont faire des chars d'assaut. Ils vont faire des bombes atomiques. Et ils vont faire exploser les bombes atomiques. Là, vous voyez comment ce qui était auparavant une arme tout bénéfique pour les êtres humains devient progressivement dangereuse pour eux-mêmes, devient une menace pour eux-mêmes. Et nous avons Hiroshima, par exemple, qui est un exemple de ce qui s'est passé. Alors, je vais vous raconter, je vais vous parler, les plus âgés se souviennent de cette période, c'est entre 1950 et 1990, la guerre froide. La guerre froide, l'humanité aurait pu disparaître de la planète. Ça, on l'oublie, et pourtant, c'est le cas. Et je vais vous raconter une histoire qui est peu connue maintenant, qui vient de sortir des archives du Kremlin. Où étiez-vous le 26 septembre 1983? Eh bien, ce jour-là, ce monsieur, Stanislas Petrov, qui est un Russe, qui dirigeait l'armement nucléaire pour les Russes, qui était dans son silo, dans son comptoir, dans sa console d'armes, cet homme a reçu une information disant « Les États-Unis ont lancé une salve de bombes atomiques. À vous de réagir. » C'est lui qui avait le doigt sur le bouton, qui pouvait pousser sur le bouton, rétalier, ce qui aurait amené une guerre nucléaire dont il y a de bonnes raisons de penser, qui aurait pu amener l'élimination de l'être humain. Vous savez, les militaires qui n'ont pas le sens de l'humour ont un terme pour décrire la puissance militaire d'un pays. Ça s'appelle « overkill power », la capacité qu'on a de tuer tout le monde combien de fois? Évidemment, on ne peut pas tuer tout le monde de nombreuses fois, on les tue une fois, c'est tout. Mais quand même, on peut calculer la capacité qu'on a de tuer tout le monde. Eh bien, cette capacité était passée à cette période à 14 000. Il y avait suffisamment d'armes pour tuer tout le monde 14 000 fois. Eh bien, ce monsieur Petrov, donc, placé devant son bouton, a choisi de ne pas pousser sur le bouton. En fait, il a eu raison, mais il ne le savait pas, c'était une fausse alarme. C'était des vols de, je ne me souviens pas quoi, mais en fait, c'était une fausse alarme. On lui a demandé après coup, mais pourquoi n'avez-vous pas poussé sur le bouton? Vous n'aviez pas de preuve que ce n'était pas vraiment une vraie alerte des États-Unis. Et il a dit, parce que je pensais que c'était mieux. Voilà. De quoi nous dépendons? Nous dépendons du fait que quelqu'un a dit, je pensais que c'était mieux, que c'était une meilleure solution de ne pas écouter et de ne pas lancer les armes. Bon, cet homme a été mis dehors de son poste en Russie, mais maintenant il est devenu un héros, il a gagné des prix en Occident, bien sûr. Tout le monde aujourd'hui reconnaît l'importance de son geste. Mais c'est se souvenir jusqu'à quel point nous sommes fragiles. Comment nous aurions pu disparaître ce fameux jour du 26 septembre 1983 et
pour dire donc que la question qui se pose maintenant, justement, c'est cette intelligence qui nous a permis de survivre dans des conditions difficiles, aujourd'hui, nous menace et pourrait encore nous faire disparaître. C'est ça qu'il faut prendre en charge. Il faut considérer que nous avons maintenant, à cause de cette intelligence, la gestion d'une puissance fantastique, et pas seulement sur le plan des armes, parce qu'aujourd'hui, la guerre froide s'est terminée, il n'y a pas de scénario vraisemblable d'une guerre nucléaire aujourd'hui dans le monde, même si l'Iran et la Corée et le Pakistan font du bruit, font du buzz, comme on dit aujourd'hui. Mais quand même, nous sommes devant ce problème, et la question qui nous incombe, c'est de dire comment gérer à la fois notre puissance militaire, mais aussi, et c'est là qu'on retrouve l'écologie et l'environnement, le fait que notre puissance est à la cause de tous les problèmes que nous rencontrons. Notre puissance, on peut l'illustrer en disant que nous sommes en train de réchauffer la planète. C'est quand même pas rien. Nous sommes capables de réchauffer la planète. Nous sommes capables d'acidifier l'océan. Nous acidifions progressivement. Nous sommes capables de détruire, mais éliminer complètement des quantités d'espèces animales. On pense que d'ici la fin du siècle, on aura éliminé la moitié des espèces vivantes. C'est ce qu'a donné un congrès récemment à Bonn, justement, où les gens ont évalué que le taux de destruction, de carnage dont nous sommes responsables, directement ou indirectement, est tel que nous avons une puissance extraordinaire et nous avons entre les mains de la gérer et de empêcher que l'intelligence... Parce que les tortues, ce n'est pas très intelligent, d'après nos critères, mais les tortues, ça existe depuis 300 millions d'années. Et s'il n'y avait pas nous, leur avenir ne serait pas menacé. Nous existons à peine depuis quelques millions d'années, et déjà, nous sommes dans le collimateur de notre propre puissance. Et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter, d'abord de réaliser notre impact absolument fabuleux. Nous sommes, voilà un peu ce que nous sommes devenus. Voilà une image, oui, on la voit bien, nous la voyons, une image de la planète Terre vue la nuit par les satellites. Vous voyez, nous sommes partout. Les lumières jaunes, c'est l'électricité, les autoroutes. Le rouge, ce sont les puits de pétrole. Et est-ce que vous voyez une petite tache verte dans le golfe près du Japon? Vous voyez une petite tache verte. Qu'est-ce que c'est qui peut être visible de 100 km et qui est vert dans la mer du Japon? Voilà une devinette. Ce sont des pêches au lamparou. Ce sont des milliers de petits bateaux qui s'éclairent avec des lampes vertes et qui pêchent le poisson. Mais avec quelle efficacité? Ils prennent des quantités de poissons fantastiques en très peu de temps. Résultat, nous pêchons deux fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent. Vous voyez ce que c'est que d'être puissant, ce que ça pose comme problème. À ce rythme-là, nous sommes en train de vider l'océan. Si on pêche plus vite que les poissons se reproduisent, évidemment, notre influence est à l'échelle de la planète. Nous dévastons les forêts, la déforestation se poursuit à pleine allure, au Congo, en Indonésie, en Amazone. Nous sommes confrontés à ce cadeau que nous a donné la nature, qui nous a permis de survivre et qui aujourd'hui pourrait nous détruire, pourrait nous éliminer. C'est ça la situation qu'il faut considérer quand on dit là où croit le péril, c'est cela, c'est dû à nous. Il n'y a aucune espèce animale qui nous menace. Il y a longtemps que nous avons contrôlé les loups et les lions qui menaçaient les premiers humains. Maintenant, nous ne les craignons plus. Mais nous craignons ce qui est né de notre propre puissance. Notre influence est à l'échelle de la planète. Voilà ce qu'il faut dire. Et c'est là-dessus qu'il nous faut vivre. Alors, la crise écologique contemporaine est justement cela. C'est justement cette confrontation avec notre puissance. Tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature. Aucun de nous ne veut mener une guerre contre la nature. En fait, tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature
Comment on mène une guerre contre la nature? Eh bien, on répand des pesticides. Voilà un avion qui est en train de répandre des pesticides qui vont détruire les vers de terre. Les vers de terre sont aujourd'hui... La destruction des vers de terre est un grand problème. Quand on détruit les vers de terre, les terres cessent d'être oxygénées. Elles ne sont plus fertiles. Et alors que la population continue d'augmenter, la quantité de terres fertiles sur la planète décroît dangereusement. Si nous gagnons, nous sommes perdus. C'est ça qu'on peut dire en résumé. Alors, par exemple, un autre exemple, je voulais mentionner, la conférence de Bonn en septembre 2008, nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle. On appelle ça la sixième extinction. Il y a eu dans le passé des extinctions d'une dimension comparable, avant l'apparition des êtres humains. Ces extinctions, il y en a eu cinq. La vie a pu quand même revenir après ces catastrophes qui étaient dues au volcanisme, aux météorites, à des quantités de raisons. Nous sommes aujourd'hui dans la sixième extinction et nous pouvons nous demander, est-ce qu'on peut tirer des leçons du passé? Est-ce qu'on peut tirer des leçons du passé de ces grandes extinctions? Aujourd'hui, nous nous inquiétons d'augmenter la température de la planète de 2 degrés, peut-être 3 ou 4. Est-ce qu'il y a dans le passé eu des périodes où la planète a été très chaude? Oui, au temps des dinosaures, il faisait 10 degrés de plus. 10 degrés de plus. Il n'y avait pas de glace nulle part. C'était partout comme à l'équateur, équatorial ou tropical. Est-ce qu'on s'inquiète parce qu'on augmente la quantité de gaz carbonique? Il a déjà été 15 fois plus élevé il y a 250 millions d'années. Ça a donné une extinction majeure à cette période. Quelles leçons peut-on tirer du passé et du fait de ces extinctions, du fait de ces restaurations? Alors, je vous ai parlé, il y a des grandes extinctions historiques. Je crois que les deux leçons, on peut dire ceci. Les espèces qui durent sont celles qui savent s'adapter. Ça a toujours été le cas. S'adapter à quoi? À des variations de climat, à du volcanisme, à des météorites. Nous sommes une espèce qui est particulièrement fragile par rapport à ces éléments. Ce n'est pas notre intelligence qui va nous permettre de gagner, c'est notre capacité de vivre en harmonie avec la nature. Et sur ce plan, nous sommes zéro. Nous sommes vraiment l'espèce la plus destructrice qui ait jamais existé. Aucune espèce dans le passé, à notre connaissance, n'a pu en éliminer d'autres. Je veux dire, les éliminer complètement. Les lions mangent des gazelles, mais il reste toujours des lions, il reste toujours des gazelles. Il s'établit des équilibres. Nous, nous cassons les équilibres et nous éliminons complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire du futur en regardant ces éléments? Eh bien, la première chose, c'est que la vie va continuer sur la Terre. La vie est très robuste, on le découvre maintenant. Elle s'adapte à des quantités de problèmes. Ce qui est passible d'extermination, c'est nous. Les humains pourraient disparaître. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, parce qu'on nous a enseigné toujours à l'école que nous étions le but de la création, le chef-d'œuvre d'évolution, nous sommes ce qu'il y a de meilleur, on n'imagine pas que ce qu'il y a de meilleur pourrait disparaître. Eh bien, quand on regarde que dans le passé de la Terre, des millions d'espèces sont apparues, des millions d'espèces ont disparu, nous sommes une espèce parmi tant d'autres, et nous sommes soumis à la même loi que les autres. La loi, c'est d'être capable de vivre en harmonie avec la nature, de s'adapter, de prendre et de donner. Et ça, nous ne le faisons pas. C'est bien ce que nous devons apprendre. Encore une fois, notre existence, notre arrivée sur la Terre a été la suite d'une quantité d'extinctions animales et de problèmes, dont le sommet, on pourra probablement aujourd'hui, avec toute la crise écologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, imaginons que l'humanité disparaisse. Faisons un scénario catastrophe. Un scénario catastrophe, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça veut dire qu'on se dit, ben voyons voir ce qui se passerait si ça arrivait, comme quand quelqu'un a un cancer, il va chez le médecin, le médecin lui dit, il faut de la chimiothérapie, il faut des rayonnements, et le patient dit, moi, je ne veux pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Le médecin va lui dire, vous êtes libre, mais je peux vous dire ce qui va se passer si vous ne le faites pas. Scénario catastrophe, je peux vous dire ce qui va se passer. De la même façon, supposons que l'humanité disparaisse. Est-ce que ce serait une simple anecdote?
Est-ce qu'on ne dirait pas une espèce est disparue, est apparue, une autre est disparue, ça s'est passé des milliers de fois, quelle importance? Je pense qu'on peut plaider que non. Ce serait beaucoup plus grave que cela. Pourquoi? Parce que l'humanité a apporté sur la Terre des éléments qu'aucune espèce n'a apporté jusqu'ici. C'est là que vient cette partie précieuse de l'humanité. Quoi? Eh bien, je vais citer trois éléments importants que l'humanité est la seule espèce à pouvoir apporter, a pu apporter, et qu'elle disparaîtrait, évidemment, si elle que ces éléments, ces trois éléments disparaîtraient si elles disparaissaient. Alors, le premier, c'est l'art, c'est la culture, c'est la peinture, c'est la jeune fille à l'appel de Vermeer, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est tous vos musiciens favoris. Tout ça disparaîtrait. La vie continuerait, les bactéries, les insectes dureraient, n'ont aucun problème, nous ne les menaçons absolument pas, mais disparaîtraient l'art et la culture. Et les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Alors, donc, premier élément, l'art, la culture disparaîtrait. Le deuxième, la science. La science, c'est les efforts qu'on a faits, réussis, pour comprendre les lois de la physique, les lois de la matière, pour reconstituer le passé jusqu'au Big Bang. Aucune espèce animale n'a jamais pu faire ça, évidemment. Nous sommes les seuls à avoir réussi ces chefs-d'œuvre de construction humaine et cet accord fantastique. Notre connaissance de la matière, maintenant, est absolument éblouissante avec la théorie atomique et la physique quantique, la relativité, tout ça, ce sont vraiment des grands chefs-d'œuvre et qui décrivent la matière avec une précision fantastique. Ça disparaîtrait. Voilà, par exemple, les radiotélescopes avec lesquels nous écoutons jusqu'au bout du cosmos, eh bien, ils rouilleraient, évidemment, s'il n'y a personne pour les entretenir. Et les beaux documents comme ceux-ci, qui nous viennent du bout du monde, disparaîtraient, évidemment. Tout cela serait du passé. Alors, voilà deux éléments. Le premier, c'est l'art, la culture. Le deuxième, c'est la science et la connaissance. Le troisième élément, je vais vous le décrire avec un petit scénario. C'est un nid d'oiseau. Dans ce nid d'oiseau, il y a quatre oisillons. Deux sont malades, deux sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent seulement les oisillons en santé, ne nourrissent pas les oisillons malades. Ils les laissent mourir. Pourquoi? Eh bien, sur le plan de la biologie, c'est logique. Les oiseaux malades ont probablement des gènes qui ne sont malades aussi. Si les gènes sont malades, c'est mauvais pour la lignée. Pour la poursuite de la lignée, il est plus intéressant d'investir chez les oiseaux en bonne santé qui risquent plus de pouvoir perpétuer la lignée. Deuxième scène, voilà une famille humaine. Il y a un enfant malade et un enfant en santé. Les parents soignent l'enfant malade, quelquefois mieux que les enfants en santé. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça n'existe pas chez les populations d'insectes ou des populations, de beaucoup de populations, que ça existe chez les humains? C'est ce que nous appelons la compassion. La compassion, c'est quoi? C'est le fait que les êtres humains et beaucoup d'animaux supérieurs, on le découvre de plus en plus aujourd'hui, beaucoup d'animaux supérieurs souffrent quand ils voient d'autres individus, d'autres congénères souffrir aussi. La compassion, c'est le fait de ne pas supporter, de voir souffrir les autres et d'être prêt à s'investir pour essayer de diminuer cette souffrance. Voilà un élément qui est propre, encore une fois, aux êtres humains et aux animaux. Les êtres humains, comme toujours, vont beaucoup plus loin. Non seulement ils souffrent, mais ils s'organisent. Ils font, par exemple, quoi? La Croix-Rouge, ils font Amnesty International. Tout ça, c'est des mouvements de compassion, d'empathie pour les gens qui souffrent. C'est ça l'élément fondamental, je pense. Ces trois éléments fondamentaux qui font que ça vaut la peine de s'investir pour préserver l'espèce humaine, parce que les humains n'ont pas fait que des bêtises, ils en ont fait beaucoup,
mais ils n'ont pas fait que des bêtises. Ils ont apporté sur la Terre des éléments qu'aucune espèce n'a jamais apporté auparavant et qui disparaîtraient inexorablement si nous disparissions. Peut-être que plus tard, l'évolution amènerait à d'autres animaux de recevoir le cadeau de l'intelligence. Ça, on ne sait pas. C'est très spéculatif. Mais pour l'instant, ce n'est qu'au niveau des animaux supérieurs et surtout des humains qu'on voit cette explosion de l'art, de la science et de la compassion. Alors maintenant, je vais vous parler, le dernier chapitre, c'est le réveil vert. Le réveil vert, c'est le début de la réaction humaine à l'action détériorante et destructrice des humains. On pense souvent que c'est récent. Ce n'est pas récent. Ça commence, les premières manifestations où des humains déplorent ce comportement de carnage des humains, ce n'est pas nouveau. Ça existe déjà, on le retrouve déjà chez Pythagore, on le retrouve chez Platon. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça n'a pas de sens, les humains sont des barbares, ils sont des brutes, ils détruisent la nature. Mais le moment où des êtres humains, non contents de le déplorer, décident de faire quelque chose, de faire des associations, de s'unir, de faire des législations pour protéger la nature, pour empêcher cette détérioration par la puissance humaine, c'est à peu près 1895. Ça se passe aux États-Unis. Ça s'appelle le Réveil vert. C'est le début des premiers parcs animaliers, Yellowstone, Yosemite. C'est un des champions, et ça vaut la peine de le mentionner, c'est des gens peu connus, mais on peut le mentionner, c'est ce monsieur qui s'appelle John Muir, qui a un parc national aux États-Unis. Et c'est le début de ces restaurations, de ces mouvements de restauration de la nature qui se perpétuent ensuite, bien sûr, qui viennent en Europe au début du 20e siècle et qui, aujourd'hui, ont donné naissance à des conférences comme Rio ou d'autres conférences comme Johannesburg, Copenhague. Alors, voici, c'est la période où on coupe les grands séquoias aux États-Unis à cette période, et ces gens sont ceux qui arrêtent ce massacre, qui arrêtent l'élimination des bisons. Les bisons qui en Amérique étaient 60 millions quand les Blancs sont arrivés étaient réduits à quelques milliers en 1875. Maintenant ils sont remontés, il y en a plus de 100 000. Vous voyez cette restauration, les baleines qui sont passées près d'être complètement éliminées sont maintenant, au moins certaines baleines sont en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui s'activent pour restaurer la situation, pour contrecarrer ces tendances. Alors, voilà quelques personnes qui ont joué des rôles importants. Ça, c'est Rachel Carson. Rachel Carson, c'est 1965. C'est elle qui fait arrêter le DDT. À cette période, on répand du DDT partout pour détruire les moustiques. Ce DDT a des influences toxiques, hautement toxiques. Elle écrit un livre qui s'appelle « Silent Spring ». Et on arrête le DDT. Kennedy s'investit lui-même pour arrêter l'utilisation du DDT. C'est aussi le commandant Cousteau qui, dans les années 75, au moment où l'énergie nucléaire rejette les déchets nucléaires dans l'océan sans la moindre attention, arrive à faire stopper les trains qui transportent les déchets nucléaires vers l'océan et faire améliorer ce comportement. Et là, se passe... Il y a une historique de la préservation de la nature, il y a ces conférences qui font qu'on prend ces choses-là en charge. Il y a encore les éléments importants. Sierra Club, c'est le premier club animalier aux États-Unis. L'Union internationale pour la conservation de la nature, 1948. World Wide Fund, le WWF, 1961. France Nature Environnement, en 1968. Et notre mouvement Humanité et Biodiversité, qui a été fondé par Théodore Monod et dont j'ai pu prendre la direction en 2001. Et notre mouvement, c'est Humanité et Biodiversité. Nous sommes impliqués justement dans le sauvetage de la biodiversité, les abeilles, les insectes, les papillons, et les vers de terre. C'est pas simplement, c'est triste que les éléphants soient menacés ou les tigres du Bengale, mais c'est beaucoup plus important pour nous directement
la perte des vers de terre, la perte des papillons, la perte des abeilles, la perte des pollinisateurs, parce que ça nous touche directement. Et je voulais vous parler justement à propos d'humanité et biodiversité. Nous avons un projet phare qui s'appelle Oasis Nature. Oasis Nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons rien contre la destruction de l'Amazone par les Brésiliens. Mais nous pouvons quelque chose sur des territoires qui nous appartiennent et nous pouvons prendre des mesures positives qui sont, par exemple, un balcon, un mètre carré de balcon ou un grand domaine, très grand domaine. Nous pouvons, si vous vous joignez à nous, avec pour Oasis Nature, vous vous engagez à ce que vous contrôlez, vous, va être mis pour la préservation de la nature. En pratique, c'est ce que tout le monde, c'est que, pas tout le monde malheureusement, beaucoup de gens font, c'est d'arrêter de mettre des pesticides, c'est d'essayer d'inviter la nature à venir sous forme d'attirer les oiseaux et tout ça. Et là, vous avez une double récompense. D'abord, vous faites quelque chose, il y a des coins qui sont, grâce à vous, préservés pour la nature. Nous avons un très grand domaine qui est le domaine de la Villette, le jardin de la Villette aujourd'hui est un oasis nature, c'est un endroit où il y a effectivement un retour de la vie très important. Mais le deuxième élément, je dirais, il est plus psychologique. Vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Vous dites, moi, j'ai fait quelque chose. Vous n'êtes pas dans ce pessimisme de plus en plus désarmant que nous rencontrons, des gens qui disent « Ah, c'est foutu, il n'y a rien à faire », cette espèce de pessimisme qui est très démobilisant, vous avez l'impression, vous, que ce sur quoi vous avez contrôle, ce que vous possédez avec la loi, bien, vous pouvez le consacrer à la nature et ça devient symbolique d'avoir chez vous une plaquette comme celle-là. Ici, on préserve la biodiversité. Donc, j'ai des petits dépliants ici, pour ceux qui s'intéresseraient et qui voudraient faire chez eux, de leur territoire, un oasis nature. C'est notre mouvement phare qui, encore une fois, joue sur deux tableaux. D'une part, une vraie préservation de la nature et d'autre part, un regain d'optimisme pour essayer de sauver justement la nature. Quand on me demande, souvent les gens me demandent si je suis optimiste ou pessimiste, par rapport à l'avenir, je réponds une phrase de Jean Monnet, qui était un homme politique français et qui est un de ceux auxquels on doit l'Europe. Dans les années 50, quand on demandait à Jean Monnet s'il croyait à l'Europe, s'il était optimiste ou pessimiste par rapport à l'Europe, il disait « L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. » Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Peut-être ça donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Il faut se mettre dans cette attitude, je dirais, volontariste, qui est de dire, moi, je fais ce que je peux pour essayer que mes enfants, mes petits-enfants, l'espèce humaine, la culture, la science, la compassion continuent à durer sur la Terre, qu'ils ne soient pas éliminés par notre manque de soins par rapport à la nature. Voilà, merci. Merci Hubert, merci pour cette belle histoire que tu nous racontes. Et dans le livre, on retrouve le conteur, le scientifique, le visionnaire, le militant. On retrouve toutes ces facettes d'Hubert Reeves. Regardez, page 9, il écrit « Dans notre jardin de Malicorne, c'est ta maison à la campagne, nous avons près d'un étang un banc nommé le banc du temps qui passe ». Je m'y assieds souvent pour me sentir appartenir au cosmos avec les libellules, les carpes, les bergeronnettes posées sur les nénuphars et le grand saule pleureur.
un exemple de la poésie d'Hubert Reeves. Voilà, je crois que c'était un très très beau moment. Je n'ai pas envie de vous voler la parole. Si vous avez envie de réagir, de poser des questions, eh bien c'est à vous, faites-le maintenant. Vous nous faites signe, on vous donne le micro. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions, vous pouvez faire des commentaires simplement, c'est comme vous voulez. Moi j'en ai un petit peu, hein, mais on y reviendra. Oui, la pensée matérialiste est-elle suffisante pour expliquer toute la complexité du monde et pour expliquer toute la complexité de l'être humain ? Dans un autre ouvrage, l'espace prend la forme de mon regard. Vous dites, dans la théorie darwinienne de l'évolution, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Quelque voilà. chose échappe, et ce qui nous échappe est peut-être plus important que ce que l'on sait. Alors, quel est votre... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec la dernière phrase que vous avez citée. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas et que je ne suis pas en faveur de ce qui s'appelle le réductionnisme, qui consiste à dire tout ça n'est que ça. Il y a énormément de choses inconnues qui restent à découvrir. Il est vrai que pour penser, il faut un cerveau, que dans le cerveau, il y a des atomes, mais ça ne veut pas dire qu'on a épuisé le sujet quand on a dit ça. Il y a encore bien à dire et beaucoup d'inconnus autour de cela. Vous êtes, oula, ce soir, je ne sais pas si c'est l'émotion d'avoir entendu Hubert. Voilà, ça y est, on vous donne le micro. Julie fonce. Oui, vous nous avez raconté l'histoire de Où est-ce que vous êtes, là, s'il vous plaît. Faites, voilà. Oui. Ah, d'accord. Vous nous avez raconté magnifiquement l'histoire de l'univers et vous nous avez appris dans vos livres que si la vie est apparue sur l'univers, c'est grâce à un hasard ou du moins un ensemble de facteurs, car les constantes fondamentales de la physique ont été parfaitement finement ajustées de sorte que la vie a pu apparaître. Que pensez-vous de cet ajustement subtil, hasard ou autre ? Non, pour moi, le hasard n'est pas une solution de facilité. C'est toujours une solution de facilité, dire que c'est le hasard. Ça veut dire qu'on ne connaît pas bien. Il y a du hasard, effectivement, en physique atomique, mais de dire que c'est le hasard qui règle l'univers, pour moi, ça ne veut rien dire. Ce que je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui règle l'univers. Je pense également, bon, on peut évidemment se mettre sur un plan religieux. Pour ceux d'entre nous qui sont croyants et qui sont religieux, ils peuvent penser que c'est le grand ingénieur, s'il y a un grand ingénieur, bien sûr. Mais c'est pas, là, on n'est pas sur le plan de la science. Sur le plan de la science, la méthode scientifique consiste à essayer d'expliquer avec des causes naturelles les phénomènes naturels. C'est la grande avancée de la pensée scientifique qui se passe quelque part à Milet, près de la Turquie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans lequel des grands penseurs de cette période inventent la méthode scientifique. Et la méthode scientifique a fait des merveilles jusqu'ici. Elle nous a fait découvrir des quantités de choses. Mais la méthode scientifique ne peut pas aborder la question de ce qu'on appelle les valeurs. La méthode scientifique, la science vous dit comment ça fonctionne, elle ne vous dit pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Elle peut vous dire comment faire des OGM, elle ne peut pas vous dire si c'est une bonne idée de faire des OGM ou non, ou des nanotechnologies, ou des bombes atomiques, etc. La science est étrangère aux notions de valeur. Vous pouvez faire le meilleur avec la science, vous pouvez faire le pire. Ce n'est pas la science qui vous dira qu'est-ce qu'il faut faire, c'est des autorités morales, des comités de bioéthique, des gens qui sont capables de jauger qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien, mais la science ne peut rien vous dire là-dessus. Donc moi, je me tiens sur ce plan à ce que la science peut nous dire, c'est-à-dire quand je parle de science, je ne vais pas mélanger les deux domaines. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas qu'est-ce qui est... Alors, bon, vous avez parlé de ce phénomène tout à fait étonnant qu'on appelle le principe anthropique. Et le principe anthropique, ça dit quoi? Ça, c'est une découverte de la science relativement récente. Ça fait
probablement une centaine d'années, pas beaucoup plus, on a découvert que la physique est régie par des lois, on le sait, la loi de Newton, la loi de Bohr, toutes ces lois. Ces lois s'expriment avec des expressions algébriques, avec des équations mathématiques. Dans ces équations mathématiques, il y a des valeurs numériques. Il y a la constante de Newton, il y a la constante de Planck, tout ça, qui régissent le monde. Et ce qu'on a découvert progressivement, c'est que l'univers, ses lois sont finement ajustées, entre guillemets, pour produire la vie et la complexité. Si on fait, ça se vient du fait qu'on joue avec des ordinateurs et qu'on fait des univers modèles, des univers jouets, comme on dit. On prend un modèle mathématique qui va décrire le développement de l'univers. On y met les lois de la physique, mais on change un petit peu les constantes, les valeurs numériques qui apparaissent telles que nous les connaissons par des expériences de laboratoire. Quand on les change un petit peu, on a des univers qui se développent, qui se refroidissent, comme le nôtre. Les trois premiers éléments sont bien là. L'univers est en expansion, il se refroidit, il s'obscurcit, mais il ne se structure pas. Il ne forme pas de molécules, d'atomes, d'étoiles, de galaxies, et puis d'êtres vivants, bien sûr, etc. Ça, c'est un sujet très étonnant. Première chose qu'il faut dire, c'est que c'est étonnant. Il faut commencer par s'étonner avant de trouver des explications. Ça, c'est bien confirmé, tout le monde l'admet. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Bon, anthropique, c'est un petit peu exagéré. Ça voudrait dire que c'est fait pour les hommes, anthropos, l'homme. En fait, votre chat pourrait dire la même chose. Il pourrait dire, mais moi aussi, les constantes de la physique ont été bien choisies pour que j'existe. Et toute structure de vie, et même de molécules, les structures moléculaires, dépendent de cet ajustement fin. Qu'est-ce que ça veut dire que cet ajustement fin? Alors, la réponse religieuse, c'est donc de dire il y a un grand architecte qui a planifié tout cela. Les gens qui ont une foi religieuse, ça va, ils sont contents de ça, c'est très bien. Mais les gens auxquels ça manque, ces connaissances religieuses, restent devant quelque chose d'étonnant dont on ne sait pas, je pense qu'on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas l'interpréter. Je suis dans l'étonnement de cela, mais je ne sais pas l'interpréter. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Ne pensez-vous pas que la prise de conscience nécessaire de l'état de la planète, de la santé de notre planète et de son futur, soit retardée par des groupes style sur le réchauffement climatique, par des climato-sceptiques? Ou même un peu des groupes un peu plus forts que j'appelle moi, les négationnistes du réchauffement climatique, qui sont menés beaucoup par l'économie. Et est-ce que vous pensez que cette pensée est en train de gagner du terrain vu les moyens qu'ils ont? Bon, je pense qu'au départ c'était sain, S-A-I-N, de contester. C'est toujours sain de contester, c'est de dire c'est pas parce que tout le monde pense que quelque chose est vrai que c'est vrai, ça peut être faux. Donc quand on vous dit, par exemple, quand on a commencé à dire le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine, c'était normal et bien de contester. Mais à partir de là, il faut regarder les évidences, et dans ce cas-là, il est clair, et tous les scientifiques compétents et non biaisés sont d'accord pour dire le réchauffement climatique, c'est ce que disait le GIEC, on peut dire avec une crédibilité de 95%, c'est sérieux, 95%, on peut dire que l'idée que le réchauffement climatique qui est constaté est dû à l'activité humaine est crédible à 95%. Donc, je pense qu'à ce moment-là, quand vous êtes confronté à un problème qui vous intéresse, exemple, est-ce que c'est les humains qui réchauffent la planète ou bien c'est un phénomène naturel, quelque chose d'autre, et que vous n'êtes pas vous-même un expert dans ce domaine, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'identifier la meilleure autorité, celle qui est la plus crédible, qui peut fonder son raisonnement sur des expériences, des résultats scientifiques, et de lui faire confiance. Ce qui ne veut pas dire que vous avez raison, ils ont peut-être tort, mais si vous avez le choix entre une autorité comme le GIEC, qui contient 2500 scientifiques, les meilleurs de la planète, et des climatologues, et des spécialisés, climatologues et de tout, vous avez le choix entre le GIEC
et un ancien ministre, par exemple, ben, moi, je pense au hasard. Oui, je dis au hasard, ben, moi, vous faites votre choix. Si vous voulez choisir l'ancien ministre, ça vous regarde. Oui. Alors, Hubert, on avait Jean Jouzel, justement, la semaine dernière, oui. Ici. Jean Jouzel, oui. Qui est vice-président du GIEC, voilà, et qui a parlé justement, parce que monsieur a parlé des économistes, et effectivement, il y avait plusieurs personnes qui ont posé la question, on se l'a posé, est-ce qu'il ne serait pas temps que les économistes rentrent un peu dans la danse et prennent un peu conscience de vers où ils nous entraînent? Oui, tout à fait, bien sûr, il faut d'abord qu'ils soient convaincus. Au départ, et il ne faut pas qu'il soit financé parce qu'il y a ce qui s'appelle la junk science. Ce sont des scientifiques qui sont financés. Par exemple, il y a eu ça pour la cigarette. Par exemple, il y a des scientifiques qui ont fait des articles dont on sait maintenant qu'ils ont été payés par les gens qui vendent des cigarettes. Philip Morris, en particulier, est une compagnie qui est particulièrement active dans la junk science. C'était la même chose pour le sucre. Aujourd'hui, il y a une campagne un peu partout pour réduire le sucre. Eh bien, les vendeurs de sucre ont cette campagne. Ça a eu lieu aussi par l'amiante. L'amiante, il y a eu, c'est quelque chose qui fait partie de la société. Ce sont des gens qui sont biaisés, qui sont des escrocs, en définitive, puisqu'ils acceptent d'être payés pour défendre des causes qui sont manifestement pas défendables par quelqu'un d'un peu critique. Donc, alors, c'est de l'escroquerie. Oui, avant de vous donner la parole, là-haut, juste pour en revenir à notre responsabilité à nous, tu consacres un chapitre au gaz carbonique que tu appelles le mal-aimé. Et c'est fou parce que ça se termine finalement comme ça, ami ou ennemi, le gaz carbonique, point d'interrogation, ben, oui. C'est selon. Oui, c'est-à-dire que le gaz carbonique, au départ, il joue un rôle très important. S'il n'y avait pas le gaz carbonique dans l'atmosphère, la Terre ne serait pas habitable. Le gaz carbonique sert à réchauffer la planète pour la faire passer d'une température de moins 15 degrés. S'il n'y avait pas de gaz carbonique dans l'atmosphère, la température moyenne de la planète serait de moins 15 degrés, ce qui veut dire que l'eau serait gelée à peu près partout et la vie ne serait pas possible. Si nous avons une température moyenne qui est au contraire d'à peu près 17 degrés, c'est grâce à l'effet de serre produit par le gaz carbonique. Ça, c'était la situation jusqu'au début de l'ère industrielle. Il y avait un équilibre entre le gaz carbonique qui est émis par les volcans, le gaz carbonique qui est réabsorbé par l'océan. Et cet équilibre permettait à la Terre d'avoir des régions tièdes, donc que la vie puisse apparaître. Aujourd'hui, avec le gaz carbonique que nous émettons dans nos voitures et dans nos maisons, cette quantité de gaz carbonique augmente encore, ce qui veut dire que ça réchauffe encore plus la planète. Ça produit le réchauffement climatique qui a exactement des conditions, des conséquences très nocives, dont en particulier la déstabilisation des climats, l'augmentation des excès, des tempêtes, du froid aussi. Quand il fait très froid, les gens disent vivement le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est 2 degrés. 2 degrés, c'est rien. Entre le matin et le midi, il peut faire 10 degrés de différence. C'est 2 degrés de différence. Alors, ça produit quoi? Bon, d'abord, ça fait fondre les glaces. Et fondre les glaces, ça fait monter le niveau de l'océan. Et ça, c'est un problème très grave. Mais c'est aussi l'effet indirect sur les climats. L'atmosphère, c'est une grande machine thermique. Si vous lui donnez de la chaleur, il réagit plus profondément. Et c'est ça qui fait que nous avons ces multiplications d'ouragans, de tempêtes catastrophiques, de canicules, de ci, de ça. Alors, nous avons une question jusque là-haut, la mezzanine, Hubert, jusqu'en haut. Ah, oui. Tu vois, là-bas. Oui, oui. Daniel te fait signe, voilà. Oui. Ah, oui, oui. Allez-y. Alors, moi, ce n'est pas une question. Hein. Enfin, je ne vais pas poser de question, je veux simplement... Ah, plus près, ok. Je ne vais pas poser de question, je veux simplement faire un commentaire, comme vous avez proposé de le faire tout à l'heure. Et je vais remercier M. Rive pour la conférence, puisque nous sommes venus entre amis. Hein. Nous avons tous pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour sauver la planète, entre parenthèses, mais surtout de faire quelque chose chacun à son niveau. Et c'est ce que fait cette conférence, et j'espère que, comme dans le titre, elle aidera à faire croître ce qui sauvera plus tard. Merci de ce commentaire, merci.
Vous venez chercher un petit truc hein, tout à l'heure. Alors, une autre question. Bah, toi, tu es au chômage, hein, dis donc. Ah si, ça y est, on va te faire travailler un petit peu. Bonjour. Voilà, pardon. Je vais faire un petit hors-sujet, mais je crois que vous êtes l'une des dernières personnes à avoir connu Einstein. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Moi, je ne l'ai pas connu personnellement. J'étais étudiant, j'ai failli le rencontrer, mais je ne l'ai pas rencontré. C'était apparemment, évidemment, c'était un génie. C'est un génie, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on peut dire maintenant, c'est le poids des certitudes, l'importance des certitudes. D'avoir des certitudes, ça a des effets positifs, mais ça peut avoir des effets négatifs. Et Einstein est un exemple de cela. Einstein était sûr qu'il n'y avait pas de hasard dans la nature, mais là, je ne parle pas de l'origine de l'univers et tout ça, je parle des phénomènes physiques. Et la physique quantique, dans les années 1920-1930, a découvert qu'il y avait des phénomènes, par exemple la désintégration radioactive, qui étaient vraiment laissés au hasard. Einstein ne pouvait pas supporter ça parce qu'il était sûr, lui, qu'il n'y avait pas de hasard. Et il discutait beaucoup avec un autre physicien qui s'appelle Niels Bohr, qui est un des fondateurs de la physique quantique. Et dans leur discussion, ils ont discuté pendant 50 ans, ils étaient très amis. Il y a cet événement qu'on raconte, cette anecdote. Un jour, Einstein s'adresse à Niels Bohr et il dit « Mais enfin, Niels, parce qu'il s'appelait par leur prénom, « Mais enfin, Niels, vous ne me direz pas que Dieu joue au dé. » Et Niels Bohr répond, « Albert, cessez de dire à Dieu comment il doit se comporter. » C'est tout à fait ça. Il avait une telle certitude qu'il ne pouvait pas y avoir de hasard, qu'il n'a jamais pu accepter la physique quantique, ce qui fait qu'entre 1905 et 1925, il a fait des choses géniales, mais qui étaient en dehors de ce contexte. Et dès qu'il a été confronté avec la physique quantique, de 1925 à 1950, il ne fait plus rien. Il se perd dans des essais de montrer qu'il n'y a pas de hasard dans la nature. Et en fait, les expériences de physique maintenant sont claires. Il y a des phénomènes qui sont vraiment, comme on dit, aléatoires. Le moment où un atome se désintègre, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que ça va prendre tant de temps. Mais vous pouvez, il n'y a aucune cause, il n'y a pas d'horloge interne, il n'y a pas de petite bombe interne qui l'a fait exploser. Ça, c'est un des aspects les plus fascinants de la physique quantique, c'est le retour d'une dimension aléatoire de la nature. Et c'est ce qu'Einstein n'a jamais pu accepter parce qu'il vivait dans la certitude. C'est ça, l'important, quand vous vivez dans la certitude, vous pouvez être aveuglé parce que vous dites « ça n'existe pas ». Je retiens qu'Einstein était têtu comme un breton. Ah ben, c'est ça qui a été sa force pendant longtemps, mais sa faiblesse après coup. Alors, une autre question. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour ce merveilleux voyage dans lequel vous nous avez entraînés. Et j'aurais une question. Vous avez placé l'homme avec cette faculté qui nous est donné, qui est l'intelligence. Dans l'univers qui est avec des dimensions vertigineuses, pensez-vous qu'il y ait d'autres formes d'intelligence ? C'est tout à fait possible. Là, on ne peut rien dire. Tout peut exister. Nous n'avons jamais observé, non seulement pas de forme d'être intelligent, mais même pas de forme d'être vivant hors de la Terre. C'est ce que nous recherchons dans les exoplanètes, par exemple, que nous recherchons en fouillant le ciel, en écoutant avec des grands radiotélescopes pour voir s'ils ne nous envoient pas des émissions de télévision, comme Dallas et son univers impitoyable, que nous pourrions prendre avec nos antennes, mais rien, il n'y a rien. Pendant 40 ans, on a tourné les plus grandes antennes vers le ciel, on n'a que de la friture. La friture, comme vous en avez quand vous déplacez le bouton sur votre poste de radio pour les ondes courtes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'en a pas vu. Comme on dit, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Alors, une autre question. Où es-tu ? Voilà, monsieur. Merci pour votre jolie démonstration.
Vous avez dit tout au début qu'en fait, il serait peut-être temps de prendre des grandes décisions. Alors avec ce que les grandes de ce monde que vous avez peut-être rencontrées, est-ce que, et vous qui croyez à l'humain, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on prenne un jour quand même malgré tout de grandes décisions et un grand virage pour respecter cette nature? Et j'aurais une deuxième petite question. Cette jolie démonstration, pourquoi nos chaînes nationales ne vous proposent pas une heure de grande écoute pour remplacer une émission imbécile, car on en a quand même un sacré paquet, pour pouvoir voir une jolie démonstration comme celle-là à une heure de grande écoute? Oui, je le souhaiterais, mais je n'y peux rien. Merci. Pour votre première question, moi, je crois plutôt à les choses qui viennent d'en bas plutôt que d'en haut. C'est-à-dire, on voit, par exemple, aujourd'hui, tous les mouvements écologiques valables se font sur des petits groupes, se font dans les municipalités, se font... Et venant du gouvernement, on n'a vraiment pas grand-chose. Les grands gouvernements sont pris avec des problèmes économiques. Il y avait eu Sarkozy qui avait lancé le Grenelle. Ça commençait à bien marcher, mais ça a beaucoup périclité. Aujourd'hui, le Grenelle est à peu près disparu. M. Hollande a promis plein de choses qu'il ne tient pas vraiment. Nous sommes un... Il y a la future conférence qui aura lieu à Paris, là. Oui, mais on verra ce que ça va donner. Mais jusqu'ici, il y a une telle tiédeur. Je peux comprendre. Les dirigeants sont beaucoup plus mal placés parce qu'évidemment, il faut qu'ils s'occupent de plein d'autres problèmes. Il n'y a pas que l'environnement, mais nier l'environnement, ne pas s'en occuper comme on le fait, ça ne fait que remettre à plus tard ce qui coûtera beaucoup plus cher. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui coûtera beaucoup plus cher. Alors, ils ont vraiment la peur du mot taxe carbone, taxe... Mais on sait, en voyant les choses, que quand on voudra rattraper, ça coûtera beaucoup plus cher. Donc, moi, je crois que c'est plutôt les initiatives privées, locales, les villes, les municipalités. Par exemple, je sais que Rennes est active sur ce plan, le plan des jardins. On voit un peu partout des comportements écologiques qui se répandent, mais c'est toujours du bas vers le haut, c'est-à-dire des petits groupes humains et pas d'en haut. D'en haut, il n'y a pas grand-chose qui vient. Oui, une autre question, toujours du même côté. Voilà, monsieur. Oui, bonsoir. Voilà. Bien, merci beaucoup tout d'abord pour vos talents de vulgarisateur et puis pour votre travail de transition entre le monde de la science et le monde des citoyens. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je voulais faire deux remarques. Première remarque. En toute humilité, je voulais revenir sur le principe anthropique. Quand j'ai fait mes études ici à Rennes scientifiques, j'ai appris l'entropie et l'enthalpie, et de mes souvenirs, l'entropie, la racine n'est pas anthropos. Donc, peut-être que dans la salle, il y aura quelqu'un qui pourra revenir dessus. Et deuxième point, je voulais revenir sur votre organisation Humanité Biodiversité. Donc, je trouve très très intéressant l'idée de revenir, de que tout le monde fasse des gestes pour apprendre à s'émerveiller, à être curieux de la nature, par exemple en mettant un nichoir sur un balcon. Mais je pense aussi, peut-être que vous pourrez en parler mieux, un peu détailler davantage, que tout le monde veut faire comme nous, veut manger de la viande tous les jours. Et que c'est un petit peu pour ça que l'Amazonie disparaît, c'est une des raisons. Donc, pourriez-vous détailler, s'il vous plaît, les actions et puis la politique de votre organisation, enfin le message. Merci. Oui, je vais prendre votre première question. Il y a deux mots différents, il y a une confusion. Anthropos, c'est l'homme. Oui. Le mot anthropie ne vient pas de anthropos, il vient de entropine en grec, qui veut dire vers, mouvement vers. L'entropie, la notion thermodynamique, c'est E-N-T-R-O-P-I-E. Le mouvement anthropique, c'est A-N. Malheureusement, c'est très voisin et ça sème la confusion, mais c'est pratiquement deux éléments séparés. L'entropie, c'est le mouvement vers la dissolution, et l'anthropos, bon, ça voudrait être vers l'organisation. Donc, ce sont deux mots différents et malheureusement trop voisins, et ça crée de la confusion. Alors, pour l'autre aspect de votre question, je ne sais pas vraiment quoi dire. Je sympathise avec ce que vous avez dit, mais je ne sais pas faire de commentaires. Alors,
Julie, oui, du côté de Julie. Ah non, c'est là-haut, pardon, du côté de Daniel jusqu'à la mezzanine. Bonsoir, je suis là. Levez la main. On ne voit pas bien parce qu'on a... Je lève la main. Ah oui, d'accord, ça y est. Là, c'est bon. Ah oui. Merci pour votre intervention, monsieur Rives. En fait, je voulais juste répondre à l'interlocuteur précédent. Tout le monde veut manger de la viande. Ben non, tout le monde ne veut pas manger de la viande, forcément. Si déjà on commence à manger localement, ce qui pousse sous nos pieds et au-dessus de nos têtes, ben déjà, c'est un premier geste. Voilà, c'est tout. Ce qu'il faut dire sur la viande... Qu'il faut dire sur la viande, c'est que c'est une méthode extrêmement coûteuse d'obtenir, coûteuse énergétiquement, d'obtenir de l'énergie. On a besoin d'énergie, on a besoin de calories. Eh bien, une calorie extraite du bœuf en particulier, qui est le plus litigieux sur ce plan, ça prend 10 calories qui viennent des céréales. De sorte que chaque fois que vous mangez une calorie de bœuf, vous mangez l'équivalent de 10 calories qui viendraient que vous auriez pu obtenir des céréales. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui qu'il faut diminuer, pas complètement, il n'est pas nécessaire de devenir complètement tous végétariens, mais il faut certainement diminuer la quantité de viande qu'on mange. On est habitué dans nos civilisations à avoir de la viande deux fois par jour. Et si vous recevez des invités, ça ne paraît pas très bien si vous ne leur servez pas un bon steak ou un bon beefsteak. Ça, c'est quelque chose qui doit évoluer forcément, parce qu'on dit, par exemple, qu'avec des céréales, vous pouvez nourrir 12 milliards de personnes, avec du bœuf, 3 milliards. Vous voyez, c'est là que ça compte. C'est que maintenant que les énergies, les réserves sont limitées, quand il y avait moins de monde, quand il n'y avait pas de pénurie, ça ne comptait pas beaucoup. Mais maintenant que nous arrivons aux limites de ce que nous utilisons comme énergie, il faut commencer à utiliser ça. Et sur ce plan, le poulet, le poisson sont également des solutions qui demandent moins d'énergie. Ce qui vraiment prend beaucoup d'énergie, malheureusement, parce qu'un bon steak, c'est vraiment bon, mais c'est le bœuf. Monsieur à gauche, Hubert, complètement oui, à gauche. Oui, récemment, là, les médias se sont fait l'écho d'un projet qui, à mon sens, me paraît farfelu. Il s'agit d'envoyer des colonies sur Mars. Vous avez sans doute entendu parler. Indépendamment du problème de financement, est-ce qu'un projet, techniquement, un tel projet est réaliste? Oui. Alors, à propos de Mars, on a déjà plusieurs robots qui circulent sur Mars et qui font des mesures et qui nous ont appris beaucoup de choses. Je crois que Jean-Pierre Bibring a dû vous en parler. Alors, la question, c'est... Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer quelqu'un? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut se contenter? Est-ce qu'il y a un avantage à envoyer un homme ou une femme sur Mars plutôt que des robots? D'abord, il faut savoir que ça coûte beaucoup plus cher. Envoyer un homme sur Mars, ça coûte 100 fois plus cher qu'un robot. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de prendre des précautions et vous ne pouvez pas risquer de perdre quelqu'un, parce que toute la physique spatiale, ça aurait très mauvais effet. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'augmenter d'un facteur 100 le prix de ces envolées pour obtenir ce que... Ben, qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus qu'un robot? Eh bien, il peut faire quelque chose. Et on l'a vu pour la Lune. La Lune, on a commencé par envoyer des robots qui ont pris des quantités de mesures. Puis un jour, on envoyait des hommes. Là, c'était pour autre chose. C'était la guerre froide, c'était de battre les Russes. Mais en fait, l'avantage d'envoyer un homme, c'est que cet homme, tout d'un coup, a vu au sol des petits cailloux jaunes. Il a pris les cailloux jaunes, il les a emportés. Et ces cailloux jaunes ont été très importants pour comprendre plein de choses. Est-ce qu'une machine ne pouvait pas dire, tiens, regarde, une machine ne peut pas être surprise. La machine, le robot, il fait ce que vous lui dites. Et il ne peut pas faire des choses, il ne peut pas être surpris. C'est la différence essentielle dans le fait d'amener une personne plutôt qu'une machine. Est-ce que ça vaut 100 fois plus cher? Ça, les gens débattent beaucoup. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je trouve que, surtout dans les temps de crise économique, je pense que les projets d'envoyer des hommes sur Mars, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas avant plusieurs décennies. Si ça se passe, personne n'en sait rien. Mais je suis un peu sceptique sur ce phénomène, étant donné les finances, les crises économiques que nous avons aujourd'hui. C'est tangent.
Alors, une demoiselle qui va poser une question. Bonsoir là-bas. Et merci pour votre, cette soirée. Attendez, où est-ce que vous êtes là? Je suis là. Ah, d'accord. Donc, bonsoir. Moi, ce n'était pas vraiment une question, c'est plus par rapport aux petits gestes qu'on essaye au maximum de faire tous les jours par rapport à l'environnement. Et notamment, bah, c'est vrai que dans les jardins, enfin, moi, je sais que je mets des graines pour mes oiseaux, enfin, pour les faire venir et tout ça. Et c'est vrai que c'est important quand même d'essayer de prendre pas mal d'informations, comment il faut le faire, enfin, parce qu'au final, quelquefois, on peut faire pire que si on faisait rien, comme ce que j'avais entendu, que bah, faut, quand on commence, il ne faut pas faire des interruptions, parce que, comment dire, les oiseaux pourraient s'habituer, et justement, le jour où il n'y a plus d'alimentation, ben, ne plus avoir l'habitude de chercher eux-mêmes leur alimentation. Donc des choses comme ça, et c'est un peu dans toutes les choses qu'on peut faire, c'est essayer quand même de s'assurer que quand on le fait, est-ce qu'on le fait bien. Moi, enfin professionnellement, je suis aussi amenée à travailler dans le contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires, et donc on voit pas mal de choses, et même enfin des pratiques, qu'on met en place pour éviter les produits phyto, enfin ce qu'on appelle produits phyto qui sont homologués, et qui à côté de ça, il y a d'autres techniques. Il peut y avoir, bah, bien sûr, tout ce qui est huile de coude, donc la binette, c'est l'idéal. Après, quelquefois, nous, on voit des gens qui utilisent, par exemple, du sel, du vinaigre, dans des fossés même, par exemple, donc ce qui n'est pas autorisé, et parce que dans leur tête, ils pensent faire un geste parce que c'est naturel, ce n'est pas quelque chose de chimique. Et par contre, on ne sait pas forcément ce que ça va avoir comme impact sur l'environnement. Et donc, c'est important aussi, au niveau des pratiques, même si on pense bien faire... De bien se renseigner. Voilà, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était juste aussi un petit peu pour informer. Oui, les gens. Merci. Ouais. Je voulais juste finir sur une question à Hubert, sur une question où on revient un petit peu, voilà, très très loin de chez nous. Qu'est-ce que tu penses du réveil de Rosetta? C'est l'idée d'aller vers une comète. Oui. Et d'essayer d'atterrir sur une comète, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici. C'est une première qui va nous permettre de comprendre comment les comètes fonctionnent. Et c'est une aventure très risquée parce qu'on ne sait pas quel est le sol d'une comète. Est-ce que c'est dur? Est-ce qu'on va s'enfoncer comme dans la neige? Donc, il y a un risque qui a été pris et qui est intéressant. C'est quelque chose d'assez excitant. Moi, je trouve que c'est une belle histoire, cette histoire, oui, de cette Rosetta qu'on envoie à 800 millions de kilomètres d'ici, cette sonde, et qui va faire 10 ans de voyage, et puis qui va frôler deux astéroïdes, et puis on va lui dire, tu dors pendant 10 ans, et puis là, ça y est, on la réveille. Oui, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Expérience de science, de physique spatiale, qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses, mais avec des risques. Alors, juste pour terminer, est-ce que tu te souviens du proverbe chinois que tu as mis au chapitre 2? Oui, ça ne sert à rien de tirer sur les pétales d'une rose pour la faire éclore. Il est vain de tirer sur les pétales d'un bouton de fleur pour accélérer son éclosion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps et vous ne pouvez rien y changer. Ce n'est pas la peine d'essayer d'accélérer certains événements naturels. Prennent leur temps. Je pense par exemple à la grossesse d'une femme. 9 mois, c'est comme ça. Voilà, je crois qu'on va remercier très chaleureusement Hubert Reeves. Merci. Il nous a donné beaucoup de son temps depuis 2 jours.
Bonjour. Alors, la semaine prochaine, mardi prochain, nous parlerons de cancérologie avec Patrick Bourguet, Caroline Rousseau et Étienne Garin. Et on parlera plus spécialement d'une médecine plus personnalisée. Je pense que c'est un sujet très intéressant à découvrir. Donc, je vous invite à nous rejoindre nombreux à 20h30. Hein, on reprend notre horaire normal à 20h30 la semaine prochaine. Je vous rappelle donc que grâce au CREA et aux équipes de l'Espace des sciences, je pense à Jackie et à tous les autres, vous pouvez revoir cette conférence ce soir à partir de 22h sur TVR35. Et puis, bien sûr, vous pouvez la voir aussi sur le site de l'Espace des sciences. Merci, merci beaucoup de votre fidélité, de votre attention. Et puis, Hubert revient encore très, très vite. C'est toujours un bonheur. Hubert va remonter là-haut pour signer encore quelques livres, s'il y en a parmi vous qui voudraient en faire signer. Je vous assure que le livre est vraiment formidable à découvrir. Et il n'a pas dit tout ce qu'il y a dedans, loin de là. Et pour ceux qui veulent des petits fascicules, on va vous en donner. Voilà. Et puis sinon, je crois que sur Internet, vous pouvez trouver les informations aussi.